n'importe où, sauf bon. À la bonne place. Je crois qu'on est en live. Les amis, je vous le dis. Hein. Essayez de ne pas dire trop de conneries du coup. Fini. On parlait dans le dos du chat, mais là on peut plus. Voilà. C'est triste. Bon, du coup, bienvenue à tous. Bonjour, bon gros amis du bon gros chaton. On se retrouve encore avec Sea of Grosse Fève, avec Monsieur GG, Monsieur Link Roy, et un nouveau venu qui ne m'inspire guère confiance, mais on fera avec Monsieur Ziyu. Ouais, ça peut faire peur, oui, tout à fait. On va mettre la peau de slam pour Ziyu. Oh, alors là, attendez, parce que là, je vois une nouvelle extraordinaire qui va me mettre en joie pour la traversée à venir. Apparemment, nous sommes en 720p. C'est-à-dire que le problème qu'on a eu il y a deux jours où on était en 480p n'est plus là. Et rien que pour ça, le capitaine est heureux, le capitaine est content du 720p. Il y aura encore plus de drops, c'est génial. Oh putain, GG. Alors ce qui est top, GG, tu t'es pris un chapeau. Moi, je me suis tâté à prendre ce vieux truc avec la rose. Et comme tu le vois, j'en ai pris un autre. Je vais le montrer à nos amis du bon gros de chaton. Le capitaine, que serait le capitaine sans son chapeau avec plume de vieux perroquet? Je vous le demande. Seulement 13 000 PO. Hein. Merde, mais du coup, j'ai acheté le même chapeau, je vais éviter de le mettre. Il ne faut pas faire doublon. Putain, seulement 13 000 pièces d'or, quoi. Le vieux chapeau à deux balles. Ah, c'est 13 000 PO. Très, très bien. Ok, d'accord. Et j'ai aussi pris le jambe de bois, regardez. Avec la cosmétique Coach, il y a juste ça à acheter. Je me suis pris une jambe de bois. Je me suis dit, allez, je vais m'amputer la jambe gauche. Ah ouais. C'est seulement 8000 gold pour l'amputation. Ça va. Ça vaut le coup. T'es sûr ou pas que tu devrais être encore plus handicapé que tu ne l'es de base? Oh là 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 là. Mais comment ça parle au capitaine? Mais comment? Il n'y a aucun respect pour le capitaine ici. Bon, le bon gros. Oh putain la vache, 15% d'image drop. C'est pas mal. C'est pas mal, mais on peut mieux faire. Ah ouais, qu'est-ce que j'avais on dit. Peut mieux faire que 15% d'image drop, les gars. Faut monter à mes 80p. Un petit studio, un peu comme on les ça va être compliqué, ça va être très très compliqué, cela, je le sens. Alors déjà, ce que je vais faire, parce que je pense qu'on vous entend plus faiblement que moi, si je m'en réfère au rediff, donc j'ai augmenté ça à 90 direct. Et... moi, je vais mettre comme ça à 92, ça va être bien. Ouais. Ah oui, bien sûr. À la santé du capitaine. Oh oui, j'ai même pas fini ma shop. Allez, une petite shop. Ah, comment on fait déjà? Je ne sais plus. J'ai joué hier, par contre, moi, en solo un petit peu. Ça laguait comme un gros cochon. Hein. Je sais pas ce qui se passait. Mais vraiment, c'était limite injouable. Mais vu que là, ils ont fait une maintenance, ça peut-être que ça va aller mieux. J'arrive pas à prendre ma shop. Ah oui. Merde. Les meilleurs ça marche, hop. Il va complètement foiré. À votre bonne santé, les gueux. Alors du coup, attendez, vous pouvez jouer jusqu'à quelle heure, là, tous? Dites-moi tout, là. 1, 2, 3 heures. Toute la journée, pour ma part. Alors, 2-3 heures. 2-3 heures pour Link, très bien. Monsieur GG. Ah, moi j'irai jusqu'au bout du monde avec un capitaine comme toi. Donc c'est ah, voilà un bon moussaillon. Monsieur Ziyu. Bah, moi je serai plus raisonnable, ce sera plutôt jusqu'au bout de la map, hein, parce que derrière c'est un peu dangereux. Oh là 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 là, quelle déception, mais quelle déception de ce nouveau matelot. Voilà. Bon, attends, quand on voit le résultat qu'il y a eu à la fin de que vous avez traversé la map, voilà, on va éviter si possible. Bon, mais en tout cas, vous me direz quand même, genre, fait pas grand chose. Vous aurez qu'à me dire une heure avant quand vous devez partir, comme ça on verra si sur le chat il y a quelqu'un qui veut vous remplacer. Voilà. Parce que pour ma part, je vous dis, je suis là jusqu'à quelque chose comme minuit, voire une heure du mat. Je pense que GG c'est pareil aussi. Ah, on est des vrais matelots ou on ne l'est pas, des vrais pirates. Hein. Ouais, pour ma part, ça sera sans doute pareil, quoi. Sauf si vous voulez vous débarrasser de moi. Faut le saigner, ce jeu.
Ah bah oui, faut... Ah bah du coup, GG, tu disais que tu m'avais marqué, t'étais niveau 20. Du coup, t'as des bonnes quêtes. Ouais, niveau 20 avec les coffres. Oh merde, j'ai des quêtes, faudra qu'on vote pour les... ça c'est pas chiant. Ok, il faut aller sur le bateau pour que GG y mette ses quêtes et qu'il les vire et qu'il aille en prendre d'autres. Parce que Monsieur GG doit être niveau 20. Donc, niveau 20, c'est un nouveau palier pour de nouvelles quêtes. Moi, je suis niveau 18, donc c'est cool. Par contre, je suis niveau 10 à l'ordre des âmes. Ouais, non, mais... Et justement, je me suis pris deux quêtes à l'ordre des âmes, donc on pourra faire ça au niveau 10 aussi. Bon, go bateau, du coup, on est d'accord? Je suis aussi niveau 20 pour les coffres. Et je suis aussi niveau 20 pour les coffres. En fait, ça va, j'ai qu'une quête à me débarrasser, si vous voulez. Ok, bon, je suis pas encore assez vieux, on m'écoute pas encore. Ça viendra. Je me suis également procuré une nouvelle lanterne. Et alors, attention, ça rigole pas. La lanterne à feu bleu. La flamme bleue. Waouh. Et là, juste ça sent. Pour ça, le jeu vaut le coup. Et là, d'un seul coup, c'est le Game of the Year, les gars. 20 sur 20. Automatiquement. C'est automatiquement le Game of the Year, putain. Ça change tout. On rajoute 2 points à la note. Bon, du coup, GG, vas-y, fais le voyage et puis on l'annule, c'est bien ça que tu as dit? C'est ça, ouais. Il faut donc voter pour le faire pour qu'ensuite on puisse l'annuler. Putain, il faut voter pour le faire voilà. Pour qu'on puisse, l'annuler. Mais bravo, monsieur R, bravo! Du coup, je vais me chercher des quêtes. Ok, donc là on est bon. GG, tu vas nous chercher des quêtes et puis on est bon. Alors, monsieur Ziyu, as-tu déjà joué à ce jeu ou c'est ta première traversée avec le capitaine? Eh bien, avec toi, ouais, c'est la première fois, mais sinon, moi, je suis à 15-20 heures de jeu. Comme je disais, je suis aussi niveau 20 pour les collectionneurs d'or. Ah, d'accord, je t'ai pas entendu. Tu vois, le capitaine est un peu dur d'oreille, hein, tu le remarqueras avec le temps. Là, tu es niveau 20 aussi, mais c'est parfait, ça, très très bien. Et je vois que tu as le même chapeau que le capitaine, ouais. Mais je t'aime déjà. Tu as le même chapeau que ton capitaine, dis donc. C'est très bien, ça. Non, c'est le bon goût, quoi. C'est ça. Parfait. Bon, par contre, la jambe de bois, t'aurais pu mieux choisir, quand même. Ah, moi, non. Donc, c'est vraiment une jambe de bois dégueulasse. C'était le premier prix. C'était le premier prix, hein. Bon, du coup, GG, est-ce que tu nous as mis une magnifique quête, là, ou t'es pas encore back? Ouais, une quête level 20. Alors, voyons, retrouver l'or d'un grand pirate. Ah, voilà, parce qu'en fait, au début, on commence avec pitoyable pirate, après, c'est médiocre, après, c'est un peu pourri, pour arriver à grand pirate, et ensuite, ce sera certainement excellent, extraordinaire, mirobolant pirate. C'est ça, non? Et du coup, ça change tout. Et c'est le Game of the Year, automatiquement. Du coup, on n'a qu'une carte avec un seul coffre. Hein. Mais ouais, non. C'est un coffre de naufragé, j'ai peut-être... Non, mais... Je veux pas faire de mauvaise vibration, mais c'est complètement random. Hein. C'est abusé. Niveau, en fait, voilà, c'est pas parce que c'est un niveau élevé que ça sera mieux. Hein. Putain, mais c'est vraiment abusé. Mais ce qui est cool, c'est qu'au moins, on a spawn au nord, au nord-ouest de la map, alors qu'on a pratiquement jamais été là-bas. C'est Cannon Cove, cette île. Ici. Ah, c'est là. Un coffre, quoi. Parfait. Alors par contre, moi j'ai une question. Est-ce qu'il y a des coffres plus rares, plus élevés que le coffre du capitaine? Bah, il y aura peut-être des coffres légendaires, peut-être quand on aura des quêtes légendaires, quand on est niveau max, mais cas, sinon non. Il y a deux coffres un peu différents, c'est coffre de 1000 grog que tu avais chopé une fois au cœur, c'est bien, super embourré, et le coffre du chagrin. Ouais, et le coffre qui pleure en fait. Et quand il pleure en fait, bah en fait il remplit la cale d'eau en fait. Donc on doit écoper en plus. C'est sérieux? Il pleure uniquement en mer, il pleure pas près des villes, c'est ça? Je crois que c'est aléatoire quand il pleure, ouais. Un coffre qui pleure, tiens donc. Pour le consoler, pauvre petit coffre. Du coup, il faut que j'aille au. L'est, non? L'est, plein est. Ouais, plein est. Oh, bah c'est la ville d'avant en fait. Ils auraient dû mettre des coffres mimiques, des faux coffres quoi, enfin des coffres ennemis. Genre ouais, tu le déterres et en fait il t'attaque, loul. Bon après on s'en plaindrait comme les serpents. Ah et d'ailleurs par rapport aux serpents, j'ai appris des combats on peut les rendre inoffensifs hein, les serpents.
Ah oui. En jouant de la musique. Faut jouer de la flûte. Ouais, faut jouer de la musique. Ouais. Au vrai. De la musique, puis on les calme. Ouais. Ah d'accord, tiens donc. Là, tu le charmes en fait. Donc au final, tu te retrouves comme un con à jouer de la musique en cherchant sur le voilà. Du long. Je ne savais point là, cela. Ouais, nous savons. Ah mais on est juste à côté, c'est parfait. Moi je vois rien, effectivement, on approche de l'île de... Ouais, c'est un petit peu à droite, je dirais. 5 degrés, tribord. Alors n'oubliez pas d'aller chercher votre sabre. Parce que moi, pour une raison que je ne comprends pas, à chaque fois que je débute une nouvelle partie, il me met avec le tromblon et le pistolero. Alors que moi, je veux le sabre, évidemment. C'est un petit peu con. Ouais, mais c'est un bug. Normalement, il est censé se rappeler de la dernière combinaison d'armes qu'on avait sur soi. Et puis, pour à un moment donné, j'avais toujours le snipe et le tromblon. Maintenant, j'ai le revolver et le tromblon aussi. C'est chelou. Ça sauvegarde une fois sur l'encre. On y va pour l'encre ? Va tout droit. Légèrement à droite. Bon, je balance l'encre. Hein. Oh, c'est bon là. Moi, je vais utiliser le canon pour me propulser. C'est marrant. Ce que j'allais faire aussi. Ouais, moi aussi. C'est vrai que ça, j'oublie toujours de le faire alors que c'est vachement funny. Alors, attends, comment on fait ? Alors, décharger le boulet. Ensuite, on vise. On vise bien là-bas, bien loin. On perd la capitaine. On se met dedans. Et boum ! Oh là, quel magnifique lancer. Il est parti loin. C'était un incroyable lancer. Oh bah du coup, on joue de la musique. Bah ouais, s'il y a des serpents, on va jouer de la musique. Énormément. Ouais. Bon alors, faut aller où là ? Ah ok, je vois très bien où on est. J'étais là, je dois être là, donc du coup, le coffre doit être par là-bas. Je dirais que le coffre. Des ressources comme des planches, des bananes. Ouais, oubliez pas de ramasser ce que vous pouvez. Je dirais que le coffre est au sud-est. Hein. Bah, du coup, je vais chercher des ressources vu qu'on ne sera pas 4 pour un coffre. Hein. Des planches. Il doit y avoir une espèce de petit dépassement. Ouais. Ah, il est là la plage. Si on a de la chance, on va trouver un coffre caché. Hein, là, qui fait ouais, partie de la c'est gare. Vrai que. Oubliez pas de bien regarder parce que hier, encore une fois, j'ai joué en solo et j'ai trouvé un coffre du capitaine, quoi, comme ça, qui était là au hasard. C'est un petit peu n'importe quoi quand même, ce système. Bah, et j'ai aussi trouvé un coffre de marchandises exquises. Et ça c'est pas mal, ça m'a augmenté de 2 points la réputation de la faction des marchands là. Bon du coup vous avez trouvé, servi à rien, je rentre au bercail. Ah c'est un coffre du maraudeur, ça va. Bon du coup en fait c'est une quête en plusieurs chapitres, donc du coup on a une nouvelle carte qui est apparue. Ah oui. Du coup, ça paraît un peu plus logique quand même. C'est cordier. Purée, je me fais poursuivre par un requin. Ah, ah je te vois, attends, j'arrive. Je suis complètement à l'extrémité de l'île, ou quoi ? Où suis-je ? Que faire ? Ouais, c'est bon, le requin, il est assez loin, là. Ah, tant mieux. Ah, il est mort. Y a un d'entre vous qui est tombé sur la Kraken une fois ou pas encore ? On l'a shooté. Non, moi pas encore. Pas encore. Toujours pas. On paraît que c'est du gros caca, donc... Mais non. Faut pas dire ça. Je veux dire, quand la plupart des combats, ils les ont foirés, quoi. C'est hallucinant. Je sais qu'il y a eu beaucoup, ça fait parler à cause c'est juste des tentacules, en fait, il n'y a pas vraiment de...
Mais c'est ça, je pense que tu vas dans l'eau, tu vois pas de corps, t'as juste des tentacules qui sortent, je pense. Ouais. Mais le pire, c'est que tu ne gagnes rien. Apparemment, il n'y a pas de quête. En fait, j'imagine que les quêtes haut niveau, ça va être genre, trouve le Kraken, quoi. Mais ce qui est naze, c'est que ça te donne rien. Le Kraken te donne rien, et c'est hallucinant. Une fois de plus, c'est incroyable, quoi. Bref, en fait, le Kraken ne sert à rien. Voilà. Incroyable. Les mecs te teasent ça pendant des mois, et finalement, le truc ne sert juste à rien du tout. C'est incroyable. Mais c'est comme ça! C'est le game of hier! C'est dans le corps. Bon, allez, bon, je vais voir où se trouve cette nouvelle. Ah non, je suis sur le bateau. Destination. Vous l'avez trouvé? Ah, elle est déjà sélectionnée. Ah, mais c'était juste en haut en fait. Bon, au moins, ils ont été sympas qu'à chaque fois qu'on prend une quête, ça se trouve pas non plus à Péta ou Schnock, genre complètement au nord, au sud, à l'est quoi. À chaque fois, c'est juste à côté. Parce que sinon ce serait horrible. Hein. Du coup, mais traverser durerait 10 minutes quoi. Putain. T'es sûr que tu veux que je te donne une directive, GG? Je m'adressais au capitaine. En fait, c'est droit devant Landcop. Oh, je crois qu'il y a un bateau à tribord devant. Mais je sais pas s'il y a un bateau, j'ai l'impression que c'est un bateau, je suis pas sûr. Moi aussi je regarde là. Ouais, c'est un bâtiment. C'en est un. Est-ce qu'on y va? On y va? Allez, on y va. Les gens du chat veulent du combat. On va se le faire. Allez, chargez les canons. On n'a qu'un coffre. Hein. Allez. J'ai l'impression que c'est pas un 3 mâts, donc on a peut-être nos chances. Loul. Alors. Les canons sont chargés. J'en ai 9. Faut mettre les voiles à droite si on a capté le plus devant. Bon, je m'occupe de charger les canons. Occupez-vous des voiles, je vais aller chercher des boulets dans la soute. Oh, mais la plupart sont chargés, sauf ceux qu'on on va éteindre les lanternes, comme ça il va pas nous voir arriver, on va faire une attaque furtive. Ah, mais de toute façon, le jour se lève, il est où là? Je le vois plus moi. Vous le voyez? Il est peut-être caché par les cailloux à droite. Alors là, faites gaffe, là, je sais pas qui manœuvre, mais faites très attention, hein. Il y a des récifs de là, il y a deux personnes, donc je viens de reprendre la barre. Par contre, faut me diriger, bâbord. Bâbord, vas-y, là. Bâbord, petit peu bâbord, sinon, voilà. Mais je le vois plus, c'est vrai. Bâbord, maintenant, tribord à fond, maintenant. Maintenant, tribord à fond, vas-y. Continue bâbord, en fait. Bâbord, j'ai rien dit. Sinon, on va se planter. Bah, faudrait savoir, capitaine. Ouais, non, mais je voulais passer entre deux récifs, mais ça va pas le faire. Ah ouais, maintenant tribord. Ah, mais il a disparu, non? Mais il a disparu le truc, putain. Bon, ok, on laisse tomber, il est plus là, on le voit plus. On a confondu un bateau avec un leurre, ou bien j'hallucine? Non, c'était vraiment un bateau. Alors par contre, moi ce que je vous propose, c'est que regardez, à bâbord, je vois des mouettes. Ça veut dire qu'il y a une épave en dessous, je l'ai fait hier en solo, et il y a eu deux bons coffres dedans. Donc je vous propose qu'on y aille, moi. Ok. À bâbord, il y a des mouettes là-bas. Je vois pas d'épave, hein. Non mais on la voit pas parce qu'en fait elle est sous la flotte. Un bateau joueur qui a coulé. Bon, on peut tenter, allez. Elle est vraiment sous la flotte. Elle est 20 à 30 mètres sous l'eau en fait. Donc on la voit pas. Oh, ça dépend des épaves. Hein. Il y en a qui sont très profondes et d'autres beaucoup moins. D'accord. Putain, par contre, c'est la première fois que je suis sur un galion. À chaque fois, je jouais soit tout seul ou avec un pote à deux, on avait un sloop. Et là, je peux dire, un galion, ça se traîne le cul, c'est horrible. Tribord, maintiens le cap actuel, là, et on est bon. Moi, c'est le contraire, j'ai jamais joué sur un petit bateau. Eh ben, tu devrais essayer, c'est beaucoup plus sympa à manœuvrer, c'est beaucoup moins chiant. C'est plus rapide, ça se contrôle mieux. Tribord, ouais, tribord. Encore? Ouais, tribord là. Tribord là. Sinon, ça va se faire avoir. Vas-y, tribord à fond même. Je sais pas ce que vous branlez. Tribord! Okay. Non, on va se planter sur une petite île, putain! Oh putain! On va se planter. Ok, je prépare l'ancre. Vas-y, vas-y, l'ancre. Il y a des lancers. Putain! C'est bon. Oh là 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 là. Non, c'est parce qu'il y a une petite île. On allait la faire quitter en fait. Attends, je vais aller voir s'il y a pas un truc sur cette petite île là. Ça m'intrigue. Elle est minuscule. Tu vas avoir des combats, c'est fun. Il y a qu'à regarder avec ta longue vue.
Alors, il y a des squelettes, il y a des serpents pour changer. Allez, des cobras. Pourquoi on peut pas lever l'ancre? En fait, c'est moi qui bloque. C'est quand? C'est coupé la survie, en fait. Bon, y'a pas de coffre, j'ai l'impression. En même temps, sur une petite île comme ça. Bon, on sait jamais. Hein. Non, mais y a des, y a des squelettes, mais vu que ça n'a aucun intérêt de tuer les squelettes. Allez, j'entre au bercail, c'est bon. Je vais mourir. Ah, mais je suis mort, bravo. Quel moussaillon. Ah, mais non, vous savez quoi? Eh, vous avez qu'à lever l'ancre. Moi, je vais aller là où il y a les mouettes à la nage. Loul. Allez-y. Vous pouvez partir sans moi. Par contre, s'il y a un requin, j'ai le pire à voir. Mais bon, c'est pas grave. Ah, mais du coup, faut qu'on tombe totalement à bâbord là. Ouais. Comment j'ai pu mourir? Docteur Mika. J'ai déjà allé à la barre pour voir qu'elle est bien à gauche. Bon, comme il n'y a aucune pénalité, on s'en fout un peu que je sois mort. De ce que j'ai lu, c'était une news sur JV.com. Ils ont dit que. Il est en train de réfléchir à une pénalité justement à la mort, peut-être enlever quelques pièces d'or. Mais bon, je pense que ce sera plus symbolique qu'autre chose. Au moins, ouais, c'est déjà de se mourir, voilà. C'est vraiment... Tout le monde s'en fout. Déjà que la customisation coûte tellement cher que même perdre une pièce d'or, c'est la fin du monde. Ah, je vois les pas. Ça dépendrait des morts. Genre, on perdrait pas de pièces d'or si on se fait tuer par d'autres joueurs. Pour pas rendre le PVP trop chiant. C'est ça, ouais. En fait, ça dépend de la manière dont tu meurs, en fait, plus ça coûtera cher ou moins, en fait. Voilà, plus tu meurs d'une manière stupide, plus t'es pénalisé. Comme là, j'aurais perdu tout mon argent. Direction ouest. Alors, quand t'es mort par des squelettes, ce serait que si tu meurs en tombant de trop haut, par exemple. Vas-y, tu peux virer à tribord, là, GG. Pour maintenir le cap, pour qu'on soit tout droit. Parce que là, je vois que dalle. Hein. Oh, non, mais c'est bon, on est juste à côté. C'est là où je suis, et c'est je bon, confirme qu'il y a une épave. Hein. Jetez l'ancre! Quelle incroyable manœuvre. Allez, let's go. Ah ouais, elle est sous l'eau, c'est la première fois que je vois une épave sous l'eau. Attention, derrière toi, Hooper, t'as un requin. Oh merde, putain, il est où? On va le tuer, c'est son okay. Allez, c'est bon, il est mort. Bien joué. Par contre là, faites gaffe. Du coup, ça va être chiant à explorer. Au niveau de l'oxygène. De terre, en fait. Bon, moi je vais voir dans la cabine, mais généralement c'est pas dans la cabine que ça se trouve. Oh si, putain, il y a un coffre. Coffre d'aventurier. Ah, il y a vraiment mal au cœur sur les forces sous-marines. Ça... Le gameplay est assez spécial. Oh, c'est on se ramène bien, le coffre. Hein. Non, mais je trouve plus la sortie, bordel. Tente une banane. La banane va te sauver la vie. Ah, y'a un coffre ici, un coffre de maraudeur. Mais merde, je m'enfonce. C'est bon, j'ai trouvé un coffre. Mais merde, je m'enfonce dans l'épave au lieu de monter, quoi. Oh, je vais crever. On va perdre GG. Ah, si jamais vous commencez à perdre de la vie sous l'eau, vous pouvez manger une banane pour gagner de la vie. Hein. Oui, ça donne de l'oxygène. Oh putain, fais gaffe, y'a un requin derrière toi. Oui. Il y en a deux, putain. Ah merde. Ah, il m'a touché, merde. Je peux pas me défendre, j'ai un coffre. C'est bon. J'ai plus de bananes. Ah putain. Attends, j'ai rechargé. Comment partir sans bananes? Ah mais GG. Et du coup, j'ai laissé un crâne dans l'eau, alors je sais pas si je vais sans doute mourir. Ah merde. Attends, j'arrive, j'ai rechargé là. Ah oui, je pense que oui. Vous êtes de quel côté là? Oh, il y a un mec d'un autre équipe. Ah oui, GG, je l'ai le crâne. Comment tu l'as récupéré? Vous mettez les coffres sur le bateau? Il y en a un derrière la barre, puis les autres c'est dans la salle à Hooper. Putain, il est pas encore mort quoi! Merde! C'est lui ou moi? Oh putain! J'étais à deux doigts de crever, je l'ai eu juste avant qu'il me niaque, sinon je t'ai foutu. J'avais plus assez de vie. Est-ce que vous avez chopé tout ce qu'il fallait dans le galion là? Yes!
Ok. Donc le crâne a été récupéré. Donc... Et il y avait plein de trucs. Il y avait quoi? Deux coffres, un truc de cosmétique là. Enfin, un truc. Il y avait deux coffres et un crâne, j'ai l'impression. Ça me semble correct. Hein. Attendez, j'y retourne. J'y retourne. Ouais, il y avait un des deux coffres, c'était un maraudeur. L'autre, c'était un coffre de merde ou? Un coffre d'aventurier. Et là, c'était une caisse de cosmétique. Ah, mais ouais, ça c'est bien aussi. Caisse de soins exotiques, je crois que ça se revend au moins 1000. Monter niveau 10. Ah ouais, ce qui est cool, c'est que ça me permettra aussi de monter niveau 10 à l'Alliance des Marchands. Oui, mais les quêtes des marchands, c'était la merde aussi. Oh, il est pourri le crâne, c'est le pire. Ouais, crâne abject, il est plus pourri, putain. Oh là là, quelle catastrophe. Ok, il n'y a rien d'autre. Je reviens. Oh merde. Bon, du coup, faut toujours aller sur l'île. Bah en fait, elle est juste derrière nous. Faut juste faire un demi-tour complet et on y est. Ok. C'est l'île qu'on voit derrière. Bon, on va non, on est pas mal. On tournera bien. Attends, Ziyu, il est toujours pas sur le navet. Ah, je suis là, je vais repartir. Le temps de lever l'ancre, de toute façon. Ok, je lève l'ancre. Du coup, c'est l'île juste derrière, non? Non, Bacillo, Venator, toujours pas. Et sans doute jamais, en fait. Ouais, je sens que ce coffre, il va être chiant à récupérer. Hein. Il est au milieu de la pampa, là. Ça va être horrible. Oh, ça va, parce qu'en fait, il est juste à côté d'une plage, en hauteur, après des cailloux. Du coup, il faut réussir à trouver la plage. Et puis... Effectivement, c'est en haut de la falaise, quoi. Ouais. Bon, après, il faudra peut-être plusieurs coups de pelle pour trouver l'endroit exact. Parce que c'est vrai que les grandes îles, c'est chaud. Hein. Surtout, faut vraiment donner son coup de pelle au bon endroit, quoi. C'est abusé. Hein. Là, en soi, j'ai fait une énigme où il fallait. Ok, bâbord là. Bâbord et tout droit là. Ouais. Tu peux revenir, redresse. C'est bon. Est-ce que le bon gros chaton peut me confirmer qu'on est bien revenu en 720p et que la qualité du live est exceptionnelle et extraordinaire en tout point? Pour une question sur le chat, non, on peut pas améliorer ses navires comme rajouter des canons. Bon, après, franchement, rajouter des canons, ça sert pas à grand chose, vu qu'on est maximum 4, avoir déjà 4 canons de chaque côté, voilà. C'est bien l'aile à gauche, celle qui est devant. Regarde. Même pas avoir des bateaux différents. Ouais, 5 degrés bâbord. 5 degrés bâbord et on est bon. Pas trop, hein. Un poil bâbord, hein. C'est infime, mais vas-y. 5 degrés bâbord encore. 5 degrés bâbord, vas-y. Vas-y, tu peux tourner un petit peu. Tu tournes là? Je sais pas si vous avez vu, mais dans les options. Ah oui, c'est bon. Dans les options, on peut changer le F. Ok, reste comme ça. Remets-toi droit. Remets-toi normal, on est très bon, comme ça. Allez. Préparez l'encre dans 10 secondes. Ouais, j'ai légèrement augmenté le FOV aussi. Bah, tu peux attendre, hein. Des fois, il y a des tonneaux dans la flotte. Est-ce que vous savez à quoi ça sert? Ça a un intérêt, ça, ou c'est que dalle? C'est un joueur qui s'est échoué. Voilà, ouais. Ah, et du coup, on peut récupérer leur mythe, en fait. Ouais. On peut trouver des bananes, genre de trucs, en fait, là-bas. Bah là, les tonneaux, c'est pour les ressources, donc canons, bananes et planches. Okay. Mais s'ils ont des coffres ou quoi à leur navire, ils remontent à la surface 30 secondes après. Bon, merci le bon gros chaton de me confirmer qu'on est bien en 720p. C'est incroyable parce que je n'ai pas fait de réclamation à Dailymotion. Ah, bah je la ramène, tiens, c'est quoi ça? Une caisse de bananes. Voilà, en fait, faut remplir, tu mets 50 bananes dedans et tu peux la revendre à la guilde des marchands pour genre 400 balles. Et si on la revend avec 0 bananes pour nous, en fait. On peut aussi quoi? Franchement, moi, ce genre de machin, moi, je préfère les conserver, genre pour faire les prises de fort au squelette. Mais ouais, mais c'est mieux ça. Full banane, puis on est quitte de revenir. On le ramène. Bateau, en fait.
Ouais, c'est ça en fait qu'il faut faire. Après, enfin, faut les revendre quand t'arrêtes de jouer, vu que tu le perds, quoi. Mais... Ouais. Et perso, ouais, session, fois, j'en ai fait un cette nuit avec un pote, on était juste deux. On a mis une heure, mais au final, on a réussi, même limite sans banane. Putain, l'autre. Ah, j'ai tout récupéré, qu'est-ce qu'il y avait sur le bateau, il n'y avait pas grand-chose. Bah, les cales. Du coup, là, on est à quelle direction? On est au sud. Donc la plage serait à gauche, la plage via la falaise. Et j'irai voir combien ça coûte exactement au prochain avant-poste, Dr. Mickey House. Et je crois que c'était 4000... Ah l'emplacement du coffre, en fait c'est easy. Hein. 4500 le crochet, il me semble. C'est genre en haut ici. Ouais, bah là c'est clairement la plage de gauche. Et là c'est les cailloux, donc ça doit être par là. Moi je dis ici. Non. Je regarde s'il n'y a pas un bateau qui nous a pris en chasse. Ah, il y a une épave, tiens. Je pense que quand on aura fini, on pourra aller sur une épave là. On la voit de là. C'est pas celle qu'on a déjà visitée par hasard? Non, parce qu'on la voit en surface. Ah, d'accord. Ah, ouais, il y a des places on peut pas creuser, c'est tellement bizarre. À tribord. Ouais, mais on est trop proche des cailloux, je pense. Il y a quand même une petite distance. Hein. Ah, bah je l'ai. Ah, bah bravo. J'ai l'impression que je vois un bateau, non, mais il est loin. Hein. Il est complètement derrière nous, mais je crois que c'est un bateau. Ouais. C'est mieux que le naufragé. C'est déjà ça. Ouais. Bien joué pour le coffre. Quête niveau 20, franchement. Oh, c'est un peu nul. Quoi? Un tromblon en pleine gueule, il crève pas. Je te couvre. Ok. Bon, je propose qu'on aille à l'épave. Ouais, ouais. Ouais, bah je suis en train de remonter les voiles pour qu'on puisse tourner. Y'a un petit cochon noir, je vais t'écraser avec mon coffre. Il manque. C'est qu'on pourrait le prendre, l'amener, le faire cuire. Très bien. Oh, c'est un cochon noir, ils aiment beaucoup les bananes. Tu pourrais après ta banane? J'ai pas compris l'intérêt de donner des bananes à des cochons, justement. Ouais, ça c'est un petit peu débile. C'est une crème, vous pouvez le faire, mais... Ah, ok, d'accord. Oh, arrête, moi je voulais faire une quête marchande, là, en solo, bah putain. Le temps que je récupère un deuxième cochon, mon premier cochon est mort de faim, quoi. Non mais ce qui est incompréhensible aussi c'est que tu te prends une quête et puis il suffit que tu ailles sur une île comme ça et puis limite tu trouves un coffre qui a plus de valeur que le coffre de ta quête. Ça c'est quand même assez con quoi comme truc putain. Bah c'est parce que les coffres de quête sont c'est complètement random. Ah mais c'est pas normal ça putain. Tellement de trucs. On a pensé à aller à un avant-poste pour parce qu'on commence à avoir beaucoup de. Ouais. Si vous pouviez direction nord-est. Ok, go, on est bon là. Allez-y, c'est les grands voiles. Direction est, nord-est, ça ira. Nord-est, c'est très très bien. On va d'abord choper ça, ça me semble pas mal. Alors les voiles, bien joué, vous avez bien positionné. Quelqu'un là-bas, on est bon. Ok. Un peu à bâbord pour aller vers l'épave. Est-ce que les canons sont chargés là? Vous la voyez où l'épave? Ah oui, là-bas. Ouais, je pense qu'elle est en face de toi. Ah ouais, on la voit, mais elle est hors de l'eau. Coucher de soleil sur 20. Franchement, c'est magnifique. Ah, ben c'est... C'est le truc qu'ils ont pas foiré. Voilà, l'éclairage, le coucher de soleil, la mer, tout ce qui est technique quoi et esthétique, c'est pas mal aussi. Voilà, là tu peux rien dire. C'est ça. J'imagine même pas ce jeu en HDR, il doit être top. J'ai jamais testé cette technologie. Pareil. En fait, ça sert à quoi pour un jeu vidéo en fait? C'est pas la question de la couleur, ça rajoute et tout, quoi? Eh ben, ça intensifie les éclairages, le contraste.
Ça fait plus réaliste apparemment. Ça existe ça sur la... vraiment, c'est intéressant, c'est... La Xbox One X, mais évidemment il faut une télé qui le gère, quoi. Et du coup je pense qu'il faut quasiment, s'il n'y a que les télés 4K qui gèrent le HDR, je pense. Ah ouais. Bah ouais, mais pour ce jeu c'est pas du 4K, c'est du 2K je crois, non? Ah je sais pas. Il me semblait que sur One X c'était vraiment du 4K natif. Il me semblait. 10 degrés, ah, c'est chelou, d'abord c'est... Sur PC c'est du 2K il me semble. Donc ça fait bizarre que sur One X ce soit 4 et PC 2. Pour le perso, pour le quoi. Putain ce boule. Putain, attends vas-y remets-toi, remets-toi droit. Link, attends vas-y reste comme ça. Mais what? Ah, j'ai pas, je peux pas. C'est quoi non, cette silhouette? Oh putain la vache. C'est Kim Kardashian. Arrêtez le truc. Mater, c'est pas gentil. Oh. Qu'est-ce que c'est que ça, putain? C'est Renaud Kardashian. Attends, bouge pas. Il me croit à porter trop de corsets. Putain la vache. Vas-y, je crois. Allez, ça, ah, ils ça ont fait fort là. Ça, ça faut jeter l'encre là, non? Ils ont fait fort. Oui, oui, l'encre. Go l'encre. Go l'encre. Oui, merde. Putain de merde. Mais non. C'est bon, ok, on est bon, on est bon. Et voilà. Bah, on aurait pu être mieux. Non, c'est parfait là. Allez, go. Alors, voyons. Bon, moi, je vais dans la soute directe. Hein. Je laisse quelqu'un aller voir dans la cabine du capitaine. Le Flying Hell. Ah, oui, il y a un crâne pas mal, apparemment. Ah, c'est cool, ça. Dans la capitaine. C'est un crâne doré, c'est plus yes. 1200-1300 gold. Ah, non, quand même pas. En fait, non, en fait, c'est le crâne de base, quoi. C'est l'équivalent du coffre d'aventurier, je pense. N'oubliez pas surtout aussi de ramasser les ressources, il y en a dans les épaves. Ah bah y'a un coffre j'ai l'impression non. Ouais c'est quoi? Tu le prends? C'était quoi comme coffre? Rare. Bah caisse de bah tiens vas-y prends-le. Non non tu peux le prendre hein. De terre rare. Ah je connais pas ça, tiens c'est la première fois que je prends ça. Bon je l'embarque du coup. Y'a rien d'autre? Oh putain ça y est, je prends des dégâts. Je pense que je vais devoir le relâcher pour me. Pour me huile avec des bananes quoi, putain, ça n'a aucun sens. Relâche-le, je vais le prendre, ouais. Comme ça tu peux te soigner. Vas-y ok. Allez, c'est bon. Ah, même le ciel, là, il est magnifique. Sauf les nuages, mais qu'est-ce que c'est moche. Ouais, il est magnifique vite fait, quoi. Ça fait gros JPEG, il y a des points blancs dans le ciel. Non, mais les couleurs, mais oh. Bon, le nuage noir, c'est vraiment... C'est... Bah, je sais pas, c'est tellement laid. Moi, je trouve que les nuages, ils ont leur charme. Même si c'est vrai que des fois, comme là, par exemple, effectivement, l'espèce de nuage noir, ça fait un peu bizarre. Mais quand c'est en plein jour... C'est plutôt joli, je trouve. Ça, son charme. Ouais, les nuages blancs sont beaux. Les nuages blancs sont beaux, mais les noirs, je sais pas, on voit trop. On sait que c'est la vieille résolution. C'est, je sais pas, c'est bizarre. Surtout que le jeu, ce qui concerne les graphismes, c'est magnifique, sauf les nuages noirs. Peut-être que les développeurs étaient racistes. Je sais pas. Vous voulez une du coup, quête, c'était quoi le crâne qu'on a eu? Parce que je le vois pas, là, l'autre crâne, il est où? Il est caché en fait dans un coffre à l'arrière de la cabine, à l'arrière du siège, vu qu'il est dessous. Ah, il est caché là en dessous de ce truc? Ah, je le vois pas. Prenez le coffre, vous devriez le voir en fait. Ah oui, qu'est-ce que c'est? Oh non, c'est un classique. Hein. Ouais, c'est un normal quoi. Putain, on a vraiment pas de bol quoi. Ah bon, la vache. Vous bah, moi je dirais qu'on aille un avant-poste avant une quête. Ça serait bien d'aller tout jeter nos. Ouais, j'ai vu qu'il y a un avant-poste juste derrière nous en fait. J'éclaire avec mon incroyable lampe des âmes. Non, bah, je sais que c'est comme ça éclaire en deux. Un truc que j'aime bien faire quand il y a un avant-poste un peu loin, c'est que je lance une quête. Comme ça, si jamais il y a une île sur le chemin, on peut s'arrêter. Bon, après, c'est comme vous voulez. Oh, pourquoi pas. On peut faire ça, ouais. On peut faire ça. Hein. J'ai une quête de squelette et une quête de coffre. Ça ferait quoi? C'est quoi la quête de squelette? C'est pour avoir des crânes. Il y a un boss de squelette. Attends, est-ce on que. Peut le faire, ça peut être est-ce que c'est une quête de niveau 10? Niveau 15 même. Ah, là tu me fais plaisir. Ok, on fait ça. Ouais, par contre,
personne à la barre. Ah non, ok, non, j'ai rien dit. Ah merde. Non, en fait, c'est ma faute. J'étais rentré dans GG et donc du coup. Du coup, vous pouvez descendre les voiles du milieu. Ah oui. Ah oui, elles étaient remontées. Non, je peux utiliser la même bombe, mais quel est le petit. Bon. Ah, mais c'était bizarre parce que, en fait, non, du coup, ça, c'est fourré. L'équipage notable. Mais pourtant, moi, mes quêtes, c'est pareil. Ah non, moi, c'est piètre, d'accord. Au niveau 10, c'est piètre équipage. Et au niveau 15, du coup, c'est équipage notable. D'accord, ok. Très bien. Mais au final, ça change rien. Enfin, il y aura éventuellement, genre, deux capitaines sur une île à un moment, mais. Ouais. Bah, avec. Je crois que c'était avec toi ou Peur. On avait une quête très haut niveau dans une bouteille avec les pirates squelettes. Ah non, c'était avec vidéo. Et en fait, les pirates ils sont en doré, on peut pas les attaquer avec les sabres, donc c'est vachement joli. Ouais. Bon, du coup, il y a peut-être allez, ça qui change. La musique. Le fun est présent. Ça m'amuse comme des fous. Ouais, donc du coup, effectivement, Gamekult ont mis 6. Hein. Je pensais pas qu'il mettrait 6. Moi, je voyais plus le 5. 6, je trouve qu'il a été généreux. Mais bon, après, c'est peut-être un pari sur l'avenir. Il pense qu'il y aura beaucoup de contenu qui va venir. Ouais, peut-être. Bah ouais, c'est ça. Du coup, l'avant-poste, il est où exactement? Il est à l'ouest. C'est le rocher qu'on voit à l'ouest. Mais sinon, la quête, c'est droit devant. Ouais, ok, bon, mal avant. Je trouve quand même que le jeu reste correct malgré tout, mais je peux pas m'empêcher de penser à un incroyable gâchis, quoi. C'est pas possible. Je peux pas m'empêcher de penser non, ça. Je pense ça. Moi, ce que je trouve bien, par exemple, c'est que tu puisses pas, pour l'abordage, lancer, tu sais, des grappins sur l'autre bateau pour le garder à côté de toi, ou ce genre de. Par exemple. Mais oui, non, mais même les abordages qui sont pourtant le truc qu'ils ont mis en avant et tout, putain, ça fait 4 ans qu'ils sont en train de faire ce jeu. Mais il fallait qu'on puisse prendre une corde et se projeter à la Tarzan. Il y a plein de trucs à faire. J'arrive pas à comprendre, moi, putain. Il y a tellement de trucs à faire. Il manque énormément de trucs de gameplay, en fait, qui pourraient être cool pour un jeu de pirates, justement, multijoueur, mais... Bon, les développeurs, le producteur de jeu, il s'est défendu. Il faudra jeter l'encre à la sortie. Ouais. Et il a dit qu'il y aura une nouvelle manière de jouer à venir, en fait. On va voir ce que ça sera, hein. C'est juste attends un peu à tribord parce qu'on va faire une île. Bah ouais, non mais cette île là c'est la quête, elle est toute petite. Oh putain, on va toucher. Ouais. Oh merde. Ah merde, ça sent les copages. Ah oui. Bon, ça a pas l'air très grave. C'est bon, il y en a que deux. Ouais. Non, il y en a dans la cale. Dans la cale, il y en a ah pas. La vache. J'occupe de celui-là. Ah merde. Putain, il y avait 4 trous! Incroyable, il y avait 4 fuites! Allez, on est bon. On sait pas, on va avoir une force de combo, ça va être pas. Fais pas les choses à moitié. Alors. Mais elle est où cette île? C'est juste ah, mais elle est derrière! Juste derrière. Bah ouais, c'était sur le chemin. Du coup, t'as bien intuité pour lancer une quête. Bah ouais. Je me fais malmener. Et donc là, en fait, il faut tuer les squelettes qui ont un bandana bleu pour que le capitaine pop. Oh là là, j'ai de la musique. Mais non. Tu l'énerves. Non, les squelettes, ils sont... Ça bat les couilles de la musique. Il fuit l'autre. Putain, il y a tellement de bugs. C'est incroyable. Les combats sont vraiment à la rue. On peut le dire quand même. Platinum Game devrait prendre exemple sur Sea of Thieves pour leur prochain jeu. Et moi, bouger, je suis putain. Dit, j'entends pas de son. En fait. Mais non, j'ai réussi à mourir. C'est vrai que ça marche. Putain, non, mais c'est incroyable. Il est calmé. Oh, j'ai réussi à mourir, c'est incroyable. Alors que hier en solo, je me suis fait deux boss squelettes en même temps sans mourir ni rien.
Et là, je meurs contre des vieux squelettes de merde. Oh putain. C'est pas possible. Complètement nul le truc. Un des meilleurs jeux du monde. Du coup, on va juste, faut juste attendre que le boss y arrive. Ouais, ouais, il va arriver là normalement. Ça doit être là. Ouais, vu la mise de bug, il devrait être là. Ah, il est là à droite. Oh, j'ai raté le boss squelette et tout. Ah, ouais, du coup, il est fleuri normalement. C'est le boss au squelette Flower Power. C'est un boss coquet. Tu veux jouer. Bravo. Le capitaine Tifinon, loul. Ou c'est un. Bah, c'est encore un crâne ville. Ah oui, c'est vrai, bien joué Hooper, t'as montré un beau gameplay au chat là. Ah non, mais là. Non mais là j'ai fait n'importe quoi, non. Non mais là j'avoue. Non mais je suis dégoûté, putain, mais hier je jouais 10 fois mieux en solo là. Ah, c'est à cause de l'équipage, je vois que ça. Hein. Et voilà, en plus on est en bonne direction. Je reviens 30 secondes. Ouais, c'est parfait. Il y a un bateau, hein. Alors il y a un bateau, direction sud-ouest. Ouais, mais on va dire qu'on s'en fout vu tout ce qu'on a dans la cale, je dirais. Bah, c'est vrai qu'il faudrait. Parce ouais, mais en même temps, ça a l'air d'être un simple mât, mais bon. En même temps, c'est tellement mal branlé. Je suis sûr que dès qu'on va l'approcher, soit il va s'enfuir, soit il va se saborder encore, loul. Donc bon. Il va se couler à lui-même, quoi. Ça va bien, hein. Du coup, un peu à bas-bord, hein, ça doit être l'île qui est un peu. Ah, ok. Bon, okay, du coup, okay. Vous voulez aller où là? On va à un avant-poste, ouais, c'est ça? Ouais, ouais, ok, on va tout droit. Ouais, un poil bâbord et puis on est bon. Qu'on est juste à côté. Ouais, ouais. Putain, mais qu'on le loue et comme ça turquoise, c'est quand même magnifique. Encore bâbord ou j'ai le cap là, je vois rien? Bâbord, ouais. À bâbord, ouais. Ouais. D'accord, ouais. Ok. 20 degrés bâbord, hein. Tu peux y aller, hein. Ok. Faudrait limite relever les redresse, pour redresse et puis on est bon là. Ah ouais, pas faux, attends, je vais les relever. Ah ouais, mais non, on irait beaucoup plus lentement, mais ah, nickel. Mais y a pas besoin de relever beaucoup en fait, à peine. Alors je te conseille 5 degrés bâbord encore. Non, c'est bon, maintiens là, d'où touche plus à rien. Ne touche plus à rien, c'est bon. Il y a encore des ressources dans l'eau. Ouais, non, c'est que des ressources à la con. Non, faut aller à tribord, là, le ponton, c'est le ponton. Légèrement à bâbord, bâbord, là, 3 degrés bâbord, sinon on va se planter. Oh là là, bâbord, ouais, parce que t'as foutu partir, babor. Putain, faut faire l'ancre. Bâbord, vite, l'ancre, allez-y. Oh la vache. Allez, c'est bon. C'est bon. Je sais pas ce que t'as brancouillé. Là. Bah non, mais le truc c'est que je voulais me rapprocher au plus près du ponton où il y a les guilles, puisque là on serait arrivé derrière l'île, donc on aurait dû se taper toute l'île à pied. Bon. Oh, une caisse de terre. Je prends la caisse de soie, moi. Je prends le code. Parce que je suis coquet, le capitaine coquet. Du coup, avec le coffre de vêtements, tout le monde va avoir la même chose. De quoi, le coffre de vêtements? Je sais pas, on avait un coffre en soie. Ah, le coffre de soie exotique. Ouais. Non, en fait, c'est juste un truc à livrer aux quêtes marchandes, en fait. Ah, d'accord. Donc, en gros, c'est un peu comme une sorte de coffre qu'on aurait trouvé aléatoirement, quoi. Les clés, c'est par là, pas les coffres. Je vais aller m'acheter des trucs de pour être encore plus coquet avec mon personnage, puisque j'ai rigué. Je sais pas, c'est qui vend de la. Pas qui vend de la merde. Ah, 863, le bordel. Ah ouais, ça rapporte. Je crois que c'est elle qui vend de la merde. Oui. Je peux m'acheter une grosse barbe. Je la jette. Je prends ma caisse de thé.
Car j'aime le thé. Oui, ça, je sais que t'aimes le thé. En plus, même pas tant que ça, j'en joue uniquement quand je suis malade, quoi. Loul. Ah non, pas mon chat. Couché, Dixie. Ah oui, allez, viens. Tu es allé au chat? Non? Ah oui, mais ah oui. Il est où le ponton en fait? Le vrai ponton? Il est là-bas de l'autre côté. Bah, il était à tribord là-bas. Ouais, voilà où est-ce que je voulais aller en fait. Quand vous m'avez dit à bâbord, moi j'avais braqué à tribord pour le rejoindre pour aller plus vite. Bon, la caisse de thé 276, c'est pas énorme. C'est là. Ah, du oui, coup, il restait des trucs à récupérer. Quand j'y étais, il y avait encore un crâne, mais peut-être que quelqu'un l'a pris. Hein. Non, je l'ai là à l'instant, je vais le ramener. Je crois que c'est tout, il restait que la caisse de banane. Pour moi, ce que je vais faire, c'est que je vais aller acheter une nouvelle boussole, tiens. Parce que vu que je suis niveau 15, il me propose un truc à 1000 gold. Est-ce que c'était là? Ah mais non, je suis con, c'est pas là. Mais c'est chez lui, là. La guilde des coffres pour une boussole. C'est ça, ouais. Allez, je vais me faire un petit peu plaisir. Je crois que c'est lui, du coup, qui le vend à 1000, non? Ah oui, c'est ça. Il vend une pelle à 1000. Et allez, je prends cette petite boussole, là. Allez. En fait, chaque guilde vend deux objets, enfin deux skins d'objets qui est amélioré ouais. Tous les 10 niveaux. Genre c'était là, ça. Voilà une pelle niveau 5, après une pelle niveau 15, etc. À chaque palier, quoi. Voyons. Ah oui, putain, par contre, après tu l'as pas, il faut aller voir dans le coffre. Ça, c'est mal brancouillé, j'arrive pas à piger pourquoi ils ont fait ça. Et du coup, est-ce qu'il y a le coffre Est-ce que sur le bateau, on peut changer d'accessoire? On peut, non? Oui. Ok, c'est oui, bon oui. Alors. Du coup, au niveau des quêtes, putain, ça a à peine augmenté, Putain, mais c'est ouf. Au niveau des coffres, ça a à peine augmenté ce qu'on a chopé, hein, sérieux. C'est dingue. Non, on avait que des coffres de merde, hein. Il y avait que les ouais, mais putain, mais c'est pas normal, quoi. On fait des quêtes de niveau 20 en plus. C'est anormal, putain. Je suis la plus belle des pires. T'es une vraie québécoise, hein. C'est à 50% ici. Par contre, t'as plus. Ouais, tu ressens plus trop à Renault avec cette barbe. Non, je sais, mais j'ai voulu changer. J'ai changé de vie. C'est Hooper qui va juger si mon personnage est mieux comme avant ou maintenant. Qu'est-ce qu'il a ton personnage? Tant j'ai pas vu, qu'est-ce qu'il a? Oh la vache. Mais sérieux, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi? Je crois que là, c'est la tenue parfaite pour l'Eurovision. Là, t'es parfait. Bon, du coup, vous voulez faire quoi, enquête ou je sais pas quoi, là? Ah, mais on avait fini la quête de squelette, c'était quand une étape. Mais en plus, okay. Franchement, Ziyu, ton personnage est vrai. Je voulais faire un beau personnage au début, mais je trouvais ça dommage, la création de perso qu'il n'y en a pas. Puis... Peut-être de trouver un perso qui est... Ben, c'est vrai que le seul de l'équipage qui a un petit peu la classe, quand il faut le dire, c'est Monsieur Ziyu. Hein. Donc on change de capitaine? Non. Bon. Non, mais j'anticipe, si jamais il y a un DLC Marie-Rose de l'équipage... Ah putain, il reste un coffre! Oh putain! Quelqu'un a foutu un coffre derrière la barre. C'est pas possible. Ah ben ça c'est moi. Oh là 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 là. Le pire c'est qu'il l'aurait oublié, hein, l'incroyable. Oui. Ah, tu vois, c'est une bonne cachette. Même celui qui est là, celui qui est là. Bah du coup, vous voulez faire quoi comme type de quête? Le choix est tellement, voilà quoi, important. On se fait chier à aller prendre un coffre ou on se fait chier à tuer des squelettes? C'est ça en fait. Ou alors, on va chercher 10 poules. Est-ce qu'il y a des quêtes environnementales? Encore mieux. Ce sont les seules quêtes qui sont assez cool. Ceux avec plusieurs étapes. Ouais, mais encore une fois, ça c'est random. C'est genre là, la quête de squelettes c'est niveau 15. Et c'était qu'en une seule étape, il n'y en avait qu'un de capitaine. C'est, ouais. On peut pas le savoir.
Non, en fait, ce qu'il faut faire, il faut lancer une quête, il faut voir ce que c'est. Si c'est de la merde, on l'annule, on en prend une autre. C'est quand même, même ça, c'est ultra mal branlé quand même. Alors, c'est quoi? Ouais, mais encore une fois, ça peut être... Regarde là, il y a que deux trucs, mais attends, deuxième. Ouais, au final, il y a que deux coffres, mais c'est peut-être deux coffres de capitaine, ou ça peut être deux coffres de naufragés. Voilà. Par contre, la quête, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs étapes, comme trois lignes de texte. Ouais, c'est ça, il y en a trois. Bon, c'est déjà mieux que deux. Allez, go. Je vais zapper toutes les merdes qu'on a faites. Du coup, Crescent Inn, je crois qu'elle est par là. Non. Ah, si, il me semble qu'elle était à gauche. Et c'est quoi la forme de l'autre île? Donc, une sorte de lac en haut à droite. Je lève l'ancre. Hein. Je t'aide. Allez, t'aide. Ça, non. Ça, non. Ah, attends, non, il y avait le. C'est pas... Non, c'est pas ça. Bon, je vais à la barre un petit coup là. Le capitaine est à la barre. Okay. Vous me dites par où il faut aller parce que j'en sais rien. Hein. Non. C'est pas ça. Pour l'instant, on va au sud-ouest là. Ok. Ouais, bah t'as le bon cap pour la première. Non, mais où c'est... Ah, ça? Ah, c'est. Oui, c'est ça. Ouh, elle est loin. Du coup, il faut tourner légèrement à tribord. 10 degrés. 12 degrés tribord. On a toujours pas rencontré leur joie. Dommage. On vient, petit convoi. J'ai AFK 2 minutes, je reviens, je suis dans la cabine. Vous n'avez pas moi pour naviguer de toute façon. Je reviens. Putain, ce gâchis, ça m'énervait tellement. Sérieux, je suis énervé. Oh là là. Parce que le coup de la coop avec un équipage, ça fonctionne. Putain, c'est vraiment énervant. Hein. C'est juste en fait les objectifs qui sont moisis quoi. C'est vrai. Les seules quêtes que je trouve vraiment amusantes, c'est les quêtes environnementales. Ah ouais, c'est ça. Et encore, même ça quoi, c'est juste trouve la pierre où t'as le soleil et puis fais 6 pas à gauche quoi. Franchement, ouais. Ben, ça dépend, il y a certaines quêtes qu'il y a plusieurs étapes en fait. C'est pas les quêtes à deux étapes sont faciles, mais il y en a qui ont 4 étapes parfois, c'est plus. Plus fun. Et ouais, donc encore une fois, s'il faut tomber à chaque fois sur les bonnes quêtes et que t'as une chance sur 10, c'est pas possible, quoi. Putain. Oui, c'est nul, le système est mal branlé. Du coup, c'est peut-être l'île à gauche. Là. Attends, est-ce que j'ai le bon cap là? Parce que je sais pas où je vais. Hein. Ouais, c'est l'île qu'il faut tourner à droite. Tribord foot. Non, tu veux. Attends, tribord ou gauche? Droite ou gauche? Tribord, droite. Je pense que j'ai vomi. Merde. C'est lui qui est à droite. J'ai réussi ma vie. Attends, parce que là, il y a un énorme récif. Là, on va pas se le prendre. Mais putain, j'y vois plus rien. Il m'a dégueulé dessus. On dégueule pas sur son capitaine. On ne vomit pas sur son capitaine, putain. C'est énorme. J'y vois plus rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sens le steam, quoi. Ah, mais c'est une des meilleures attaques de jeu en fait! Mais c'est moi qui dégueule en fait! Mais pourquoi je dégueule moi? Là, ça n'a pas de sens! T'as sûrement avalé mon vomi! Oh, je suis un enfant, un éternel enfant! Fais gaffe, Link, le capitaine va te mettre au fer, au pain et à l'eau! C'est bon, pardonnez-moi, capitaine! Ça va! Pourtant, je sais pas du tout où on va là. Ah là, on s'est planté, c'est complètement en fait à bâbord là. Bon, à partir de là, c'est direction ouest totale. Ah, c'est mal. Est-ce que c'est la bonne île au moins? Putain, bravo. Il y a déjà un bateau sur l'île. Ah oui, c'est ça. Il y a un bateau? Bon, on les défonce. Là, ice-cast. On va se le faire. Ah, on y va, c'est un bateau. En plus, là, on peut y aller vu qu'on n'a pas de coffre ni rien. Merde. Il se casse. Je sais pas où c'est qu'il va aller. On le voit avec ses lanternes. Vous voulez y aller?
Ouais, moi je propose qu'on le prenne en chasse. Hein. Le truc, c'est que s'il sait naviguer, on pourra pas le rattraper. Un sloop, ça va plus vite qu'un galion. Non. Voilà, et il est en train d'éteindre ses lanternes. Et il nous a vu, il est en train d'éteindre toutes ses loupiottes, ça y est, il les a éteintes. Mais c'est sans compter l'œil perçant du capitaine. En fait, faut que tout le monde joue le jeu et qu'on mette bien les voiles justes, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Donc, s'il ne sait pas naviguer en face, ouais, on peut le rattraper. Moi, je propose du coup qu'on passe à gauche de ce rocher. On peut la voir. Ouais, hein. C'est ce que je fais. On peut la voir. Hein. Les voiles sont justes, là, je crois, chez nous. Ok, Tribord, tu peux redresser. Tu redresses un peu. Enfin, non, pas Tribord, mais redresse juste. Hein. Redresse. Voilà. Mais ne bouge pas. Sinon, on va se prendre les rochers. Par contre, j'espère que lui aussi, on va le voir arriver par là, sinon... Ok, c'est pas mal. Tribord. Un petit peu tribord. Mais à peine. Hein. 3 degrés. Okay. Pour l'instant, on est pas mal. Il est pas en train de prendre la fuite, là. Non, mais il est pas très loin. Oh, il s'est échoué. Je crois qu'il s'arrête. Attends, il s'est échoué. Je sais pas ce qui se passe, là. Il s'est pris une île. Il était en panique, il regardait pas. Tribord. Vas-y, un poil tribord, ne bouge plus. Il vient vers nous. Attention, tribord, préparez les canons. Et préparez les surtout canons, l'abordage. Hein. Voilà, il arrive. On va se mettez l'encre, sinon, il va partir. Qu'est-ce qu'on fait là? On prend. Bon, moi je tire et puis je vais dessus. Hein. J'y vais. Vous avez qu'à venir aussi. Parce que ce qui va se passer si vous le coulez, c'est que c'est qu'on ne pourra plus choper les trucs. Mais si, ces coffres, ils remontent à la surface 30 secondes après qu'il a coulé. Ah oui? Ouais. Bien sûr. Attends, parce que là, tu viens de m'apprendre un truc de ouf, là. Oh putain là, et faites gaffe à ne pas tuer votre capitaine. Qu'est-ce qui se passe, putain? Y'a pas qu'est-ce que... du fire. C'est bon, normalement. Techniquement, le capitaine, il est complètement éclaté, là. Oula, le bateau. Ah, le bateau, cool. Oh putain, attends, il est en train de bugger, là, le bateau, hein. Loul. Attends. Donc là, est-ce que c'est Ziyu, là, qui vient de nous dire que quand on coule un bateau, tous les coffres remontent à la surface? Oui, c'est ça. Après, là, il va disparaître au bout d'un moment. Et 30 secondes après, il y aura tout ce qu'il a à bord qui va remonter. S'il a des squelettes. Regardez, il y a des squelettes. Mais je ne savais pas ça. Je ne savais pas. Il était sur une île avant. Donc, théoriquement, je pense qu'il a quand même un truc. Hein, je pense. À moins qu'il s'est cassé pour fuir. Le stream a planté, apparemment, Hooper. Ah bon? Ah non, peut-être pas planté, mais il y a eu du gros drop pendant l'attaque. Le stream a planté. Bah non, ouais, non, sur le stream là ça marche toujours en tout cas. Ça vaut le coup de ramasser des caisses à cochons? Bah ouais, comme ça pour capturer un, puis ça fait toujours un petit peu de pognon après. C'est pas un visiblement ils avaient. Ah, mais si t'as un coffre là, non? Ah non, c'est quoi ce que t'as chopé, Link? Non, c'est une caisse à cochons. Ah merde, mais y'a pas de coffre là-dedans ou quoi? C'est quoi ce bordel? Non, dans l'eau. T'as atterriné dans l'eau. Ah bah voilà. En fait, ils avaient sûrement qu'une caisse à cochons. Tu t'es fait croquer par un requin? Ah oh oui, j'ai perdu toute ma vie. Saloperie. Prends ça, saleté. Bon, j'ai pas l'impression qu'il y ait de ça. Je vais aller me battre à main nue contre le requin, je vais me venger. Sale. Ah, mais là-bas, il y a pas un truc à spawn là-dedans? Sur l'eau? Ah non, c'est la caisse à cochon de l'Incroix, ok. Non, il y avait aussi une autre caisse. Est-ce que le stream fonctionne là? Je sais plus. Ouais, en tout cas, chez moi, il marche. Ah bon, merci. Il marche chez vous, c'est qui marche? Chez moi aussi. Bon, je sais pas ce qui s'est passé. Ah, mais en fait, je pense que le gars, il avait rien, parce que en fait, c'est ses caisses qui sont remontées à la surface, je pense. Du coup, il faisait une quête marchande, et puis il a pas dû trouver de cochon sur l'île où il était. Possible. En tout cas, non, je peux affirmer, il avait rien, parce que ouais, le stuff remonte vraiment à la surface, mais genre 20-30 secondes après. Ah d'accord, je savais pas. Il y avait juste des caisses à cochons. Parce que c'est vrai que du coup, moi, je trouvais que la mécanique était un petit peu étrange, parce que ça voulait dire qu'en fait, les combats navals, si on coule un bateau, tu peux pas aller dessus pour choper, et en fait, tu perds tout ce qu'il y a dedans. Donc je comprenais pas. Maintenant, je comprends mieux avec cette explication.
Tout devient limpide c'est pour le ça que capitaine. Les coffres flottent, du coup. Eh oui. On se retrouve avec un poulailler Loul. Ouais, plein nord. Plein nord ou plein sud, en fait. On est entre les deux. Je propose plein sud, comme ça on n'a pas à faire une manœuvre très grosse. On a une caisse de bananes vide, un poulailler vide. Et puis en plus, on a le vent arrière. Une caisse à cochons vide. Ouais, voilà. Un bien beau butin. Bah, c'est l'île là, juste à bâbord, devant. Donc, bâbord toutes. Oh là là, on va sortir de la map là, si on va pas au sud. Bâbord, tout. Ouais, bâbord, il faut aller au sud. Gauche, là. Sud, là, plein sud. Hein. Bah, ouais, mais. Non, c'est bon. C'est un gun. Le temps que ça tourne, encore une fois. C'est que là, peut-être qu'on va sortir de la map. Non. Non. Ah, c'est vrai, c'est une question là. Chevalier 2000 sur le chat, il n'y avait pas d'équipage sur le bateau? Il n'y avait que le bateau? Bah, ouais, aussi, mais c'est bizarre. Ouais. C'est vrai que le bonhomme, il n'était pas là, on l'a pas vu. Hein. Incompréhensible. Du coup là je t'aussi, je continue jusqu'à la cape droit devant. Vu qu'il a mis la coulée rapidement son navire, peut-être qu'il s'est sabordé. Ouais peut-être, non, ça non, aussi c'est mal branlé, putain on le sait pas en fait, si le mec il pousse son navire ou pas, on sait pas où il est, on le voit pas. Donc, c'est trop bizarre. Si c'était pas ça, s'il s'est sabordé, il serait mort 10 secondes après, de toute façon je l'ai vraiment canardé. C'est ici qu'il faut aller? Ouais. Ouais, on peut là. Ouais, peut t'as qu'à. Attendez un peu pour l'angle, peut-être. Hein. Ah, non, c'est bon là, ok. Très bien, allez, go. Du coup, c'est la ville là où on doit trouver l'endroit exact. Hein. Ah bon, c'est pas. Non. Ah, c'est dans une allée entre comme deux rochers, ça devrait être ça. Ouais, c'est Mer Madrid, ouais, donc c'est. Bon, par contre, là, vu que l'île est grande, à mon avis, il y a sûrement quelques coffres de planqués. Déjà, il y a des poules. Oh, il y a un cochon doré là. Ah, nickel, vas-y, ramasse-le. C'est pas mal ça. Eh ouais, non, cette île là, c'est une carte au trésor, c'est pas une énigme. Oh, non, ouais, c'est l'île de la carte au trésor, tout à fait. D'accord. Comment je fais pour. Ah, c'est juste ça en fait. Et voilà, j'ai une poule noire, ça vaut le coup. C'est de la merde. On a un poulailler, une caisse à cochons. Ah, il faudra plutôt une poule d'or, ça rapporte quand même plus. Hein. Ceux avec, ouais. Avec un rouge et blanche. Les loots, j'ai l'impression qu'ils sont assez aléatoires quand on n'a pas de quête pour ce genre de guilde. Oh, je trouve une espèce de grotte. Bah, amuse-toi bien. Non mais c'est bizarre, c'est une grotte en fait, on dirait un puits. C'est un puits et là je suis dans la flotte sous l'eau. Ça... Trop bizarre. Oh là là, c'est une grotte aquatique. J'ai pas vu ça encore. Je m'amuse à aller dans l'eau avec la poule, à manque de souffle. Puis je remonte. Ah bah d'ailleurs, je retourne dans l'eau. Visité une île là, tout en solo là. Elle était énorme parce qu'en fait il y a une énorme grotte et tu fais que t'enfoncer sous terre. En fait, t'as vraiment l'impression de t'enfoncer vraiment profond quoi. C'est excellent. Putain, c'est une grotte immergée. C'est vraiment bizarre ce que j'ai trouvé là. Pas de trésor. Comme quoi, il y a quand même quelques petites surprises dans ce jeu. Il y en a un peu partout des surprises comme ça, mais le truc c'est qu'encore une fois, bah y a rien dedans. C'est ça. Non mais non, c'est pas ça, c'est qu'en fait ça c'est clairement c'est une énigme pour une autre quête quoi, c'est sûr. Cette grotte là, c'est sûrement pour une quête environnementale d'une autre quête mais qu'on n'a pas évidemment. Ah non, et du coup dedans il y a rien. Donc ouais. Bah ouais, voilà. J'ai quand même vérifié s'il y a pas un petit coffre. J'ai trouvé un truc l'un des premiers jours où j'ai joué, vous me croyez pas, un bouquin qu'on pouvait lire. Non. Sérieux? Bah après, non. En fait, c'était un bouquin, mais on pouvait pas le lire. En fait, il y avait juste genre une maxime de pirate de deux lignes. Une bouteille. C'était même pas traduit en français, en plus, c'était en anglais. Mais si. Il y avait un bouquin qu'on pouvait lire. Alors là, s'il y a un bouquin qu'on peut lire, moi je rajoute un point direct. Hein. Game of the Year. Par contre, on pouvait pas le prendre, hein. C'était sur place. On le lit sur place, faut pas déconner. Putain, j'ai trouvé un coffre. Non, il est vide! Mais Loul! Putain, il y a un coffre dans la grotte, caché, et il est déjà ouvert, il est vide.
Je vais mourir, loul. Par contre, j'ai trouvé une lettre, c'est avant-poste de Golden Sands, le 22 avant 20h, inventaire des biens, une caisse de bananes. Ah bon, oh, James. Pour vrai, bon, on peut le faire, mais de l'Alliance des marchands. C'est la, le 22 avant 20h, il est quelle heure? Enfin, il est quelle date surtout? Je me régénère à coup de banane. Putain, je suis bloqué. Oh là 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 là, où je suis? Mais du coup, en plus, je crois que c'est l'avant-poste qui est juste à côté, hein, donc ça... Ouais, bon, bon, on le fera. Ça tombe bien. Ouais, ouais. Ça, en plus, ça sera sur notre chemin pour aller à Crescent Hill, là, pour notre quête. C'est parfait. Moi je reste un peu sur le bateau pour surveiller l'horizon. C'est la banane magique. Puis je nourris le cochon comme ça. Je suis Mais non, putain, je suis retombé. Mais je suis dégoûté. Ah, il a faim. Parce que dans la grotte, il y avait un coffre, il était ouvert et vide. Mais je pense que c'est donc juste un truc dans le décor en fait, s'il est ouvert. Oui, oui, non, mais c'est ça, oui. Mais c'est abusé quand même. Ça serait ici le coffre. Bah, en plus, le coffre est sur une sorte de petit chemin en fait, de sable autour de verdure en hauteur. Non, saleté de squelette. Un petit chemin latin. Putain, encore un poulailler quoi. Bon, je le prends pas, hein. Ça serait directement ici. Ah, mais du coup, il est à droite de lui par rapport au bateau, hein. Vraiment. Ça doit être en hauteur là à droite. Tu peux venir si tu veux, GG. Il aurait bien de filer une banane au cochon, il devrait quand même survivre assez longtemps, je pense. Meilleur que moi pour les indications, je suis vraiment tout pourri. Faut sur ce chemin, je pense, là qui monte. C'est ça doit être... Ouais, c'est juste après les pierres, là. Putain... Ah, il y a une poule dorée. Attends, vous savez quoi, je vais aller prendre le poulailler que j'avais trouvé, puis je vais choper la poule dorée, tiens. Comme ça, le capitaine aura servi à quelque chose. Non, ça c'est le rond. C'est là. Ah, bah t'es juste. Ouais, c'est mais ici. Ça doit être à côté de toute cette non, terre c'est là. Là. C'est ici, c'est ouais. Ici. Attention, il y a un squelette derrière toi, Ziyu. Non, mais derrière, je l'ai trouvé. J'ai l'impression que c'est un coffre ah, pourri, non munition. C'est un coffre de naufragé. Mais. Tellement abusé. Allez. Une poule dorée. Il est à moi, je l'ai gagné. Même c'est pas moi qui l'ai trouvé, Loul. Voilà, je peux sauter là. Hop. Il y a une poule sur la plage, vous savez. Là. Non, mais je peux plus, ça y est, j'ai trouvé un poulailler, puis j'ai trouvé une poule dorée, donc maintenant je rentre au bateau. Hein. Voilà, fait tout pour quoi, là. Il y a un squelette qui m'a shooté. Mais par contre, j'ai remarqué un truc, Hooper, en regardant le stream, le jeu il lag. Parce que chez toi, en fait, moi je vois sur mon écran que ta poule est dans l'eau, en fait. Ma poule est dans l'eau. Sur mon écran, je parie qu'elle est... Ouais. Attends... Ah, la cage, elle est sous l'eau. La cage, elle est sous l'eau. What? Moi, je vois même pas de poule, hein, dans ton poulailler, c'est un truc de ouf. Tiens, c'est bizarre. Mais ouais, ça lag. En fait, toi, t'es persuadé que ta caisse de poule, elle est en dehors de l'eau, alors que bah ouais. En fait, sur mon écran, je la vois sous l'eau. C'est pour ça qu'en fait, on peut pas nager loin. Parce ah là, oui, on peut non, pas non, mettre la non, mais c'est parce qu'il y a le décalage direct du jeu et décalage stream de 15-20 secondes. C'est aussi pour ça. Non, 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 mais au même endroit, je t'assure. Durant tout le trajet, bon. Je voyais Hooper avec sa cache sous l'eau, alors que lui, sur son stream, il avait la cage totalement au-dessus de l'eau. Quoi. Ok. C'est bon bah bien. Il faudra d'autres maintenances de serveur, hein. Voilà. C'est une énigme. Bon du coup on a bon. Plein d'animaux. Du coup...
Ah mais c'est pas fini, mais j'ai même pas vu qu'il fallait choper une caisse de bananes, moi, mais ça sort d'où ça? Ah oui, l'avant-poste de Golden Sands, il est au nord, en fait. Il est pas loin. Et la caisse pour de bananes, c'est... la caisse de bananes. Ah oui, ouais, c'est le 22 avant 22h. Quelle heure il est quel jour, là? À bord toutes, ouais. Ouais, on est le 20. Ah, du coup, non. Pas j'ai oublié d'aller prendre ma nouvelle boussole. Vous voulez aller à Golden Sands? La bah, vu que c'est un peu sur le chemin de Fresh Hunt Inn, comme ça on réussit cette quête. Ouais. Ça me va. Donc, du coup, on remplit la caisse de bananes. On est obligé de la. Enfin, moi je l'avais. En fait, on gagne plus d'argent, je pense, plus il y a de bananes, c'est ça? Non, je crois qu'on est juste obligé, sinon il l'accepte pas. Parce qu'une fois j'avais rendu une caisse avec des boulettes canon qui étaient vides, puis il avait accepté en tout cas. Ça va au nord? Ouais, nord, par là, je te dis plus précisément. Et l'incroyable boussole. Ah, mais elle est pétée, putain! Nord-est, donc là tu peux relever la barre, tu peux même retourner un peu à droite après. Ouais. J'ai acheté une boussole, mais elle est cassée quoi. J'entends des tirs de canon, ça vient de l'île? Aucun sens. Ouais, ça vient de l'île. Merde, de l'autre côté. Le verre est pété. Et le vent, il va... Je suis triste. Oh, en avant de face, faut mettre à gauche quand même. Mais je pense pas qu'on pourra avoir le vent. Non, on peut pas l'avoir. Ah, Hooper qui met un peu d'ambiance. Le fun est présent. Il faut vomir pour avoir du fun. C'est qu'il y a un mec qui rejoint le groupe là. Ouais, c'est un de mes amis, mais je sais pas pourquoi, je l'ai pas invité. Il peut rejoindre si je suis dans une discussion. Ouais, il peut apparemment. Ouais. Bah, il va avoir un invité surprise. Ah, me remettre des munitions. Je sais même pas si. En fait, au début, j'ai dit que je jouais à CFC. On va à l'avant-poste du coup là? Ouais. Parce qu'ensuite l'île elle sera juste à gauche en fait, on a notre ennemi environnemental. D'accord. Comme ça on peut livrer en temps et en heure la caisse de bananes. Ah bah il a dû comprendre, il a quitté le groupe. Ok, d'accord. Putain ouais, mais c'est devenu l'arche de Noé en fait ici. Y a des animaux partout. T'as pas le bon tempo. Effectivement, j'ai la vie à 25%. Il faudra pas oublier d'aller choper des bananes sur les îles, les gars. C'est important. Parce que moi, je le fais pas, mais c'est parce que je suis un mauvais marin. Est-ce que c'est en face qu'on va là? Ouais, le rond-poste. Ouais. Alors moi, je dirais. Je crois qu'il est à gauche. Hein. C'est à gauche. Bah, ouais. Toutes, c'est à gauche. Mais si tu veux, c'est trop tard, je pense. Je pense que c'est trop tard là pour le bâbord. On va se prendre l'île. Je dirais du coup tribord, tant pis. On peut directement s'arrêter sur la plage. Ouais, on va faire ça. Hein. Vous me dites pour là encore? Tribord, hein. Un petit peu tribord, comme ça on repartira bien. Hein. Tribord. Tribord. Remets-toi droit et puis on met l'ancre. C'est bon, tu peux redresser. Redresse. Allez, go l'ancre. L'ancre, non? Bien joué! Alors. Ah merde, le cochon. Ah c'est bon. J'ai peur qu'il soit mort parce que j'avoue que j'ai un petit peu. Bon, moi je vais vendre ma poule. Hein. Loul. Du coup. Elle va se noyer la poule. Ouais, non, je vais quand même tenter le truc. Je prends la caisse de bananes alors qu'elle est vide. Déjà, je l'ai vidée, voir s'il l'accepte. Ouais, c'est pas... Ça me semblerait étrange, mais ouais, peut-être. Mais il me semblait que moi, pour des boulets de canon, j'ai dû en mettre 50 pour lui rebondre. Il voulait pas, sinon. Ah la vache! Je dis peut-être des conneries, je sais pas. Il faut que les caisses soient pleines en plus. Ouais, bah après ça va vite là, il suffit de prendre des bananes sur l'île, le remplir. On est 4, en une minute c'est fait. T'es, on est à l'opposé quoi.
Le rang 20, Dr Mickey House, on y est déjà. C'est des quêtes de rang 20, là. Alors, comment ça donne, ça? C'est pas mal, normalement. Quoi, 122, la poule dorée, seulement? Mais ouais, 33. Du coup, en fait, ça avait dû bugger chez moi. C'est abusé. Donc ouais, bah du coup, mettez toutes vos bananes dans la caisse. Et cherchez-en sur l'île dans les tonneaux. T'es sûr qu'il y en aura 50 sur l'île? Peut-être pas 50, mais ouais, une bonne trentaine, facile. Bah, j'en ai déjà 6. Je crois que c'est pas les bananes à choper. Ah voilà. Allez, j'ai chopé 3 bananes dans le à l'auberge. J'ai manqué, vous, là, on est où? On fait quoi? J'ai l'impression d'être réveillé. Bonjour. Faut que tu chopes un maximum de bananes. On a du fun, ça se voit pas? Oui, bah choper des bananes, c'est le fun. J'ai laissé la caisse devant le truc des marchands. Ah nickel, là il y a des bananes là. Et venez ici là. Là où je suis, il y a 4 bananes en plus. Hein. T'as GG si t'en as pas. Là dans le tonneau là, il y a 4 bananes. Hop. Moi je suis full. Ah mais je pense que ça devait être un bug quoi, parce que les serveurs étaient surchargés alors que j'ai pu rendre une caisse de bananes vide. Alors ça, je suis ouais, persuadé possible. Que j'avais pas monté à 50. Hein. Il y en avait peut-être juste quelques-unes à la limite, mais... Ah, il y a plein de bananes ici. 10 bananes sur un ponton... Où ça? Au sud-ouest de l'île. Un petit ponton, bon. Là, il y a 10 bananes. Ah mais il restait une poule à choper. Ah mais il y a encore un coffre. Attendez, il y a une poule et un coffre encore. Bon, je prends le coffre. Bon, du coup, on arrivera à 25. Je pense qu'il faudra qu'on récupère des trucs des bananes du bateau. Bon, moi, j'ai 5 bananes sur moi. Mais par contre, où se trouve du coup la caisse à bananes? J'en ai 2, moi. J'ai pas suivi. J'ai 2 bananes. Près de la guilde des marchands sur le ponton. Ok, oh, bah, la louper. Bah, tu peux pas la louper. Voilà quoi. Ouais, mais je suis sur le bateau. J'arrive. On en a combien en dessous là des bananes? 20, ouais. Je crois. Pour nous. Ah, ouais, c'est. Enfin, dans la caisse, je parle. Mais là, je vais monter à 25, 30. Oh merde, j'ai 117 d'or. Ouais, je vais en mettre. Alors, c'est là. Alors, comment je fais déjà? Il faut que je prenne des bananes. Je vais reprendre cette banane là sur le ponton que j'ai vu. On en a 25 là en tout. Et comment on fait pour les poser dedans? Tu fais Y et stocker. Y. Regardez dans la caisse. Ah oui, d'accord. Et les stocker donc. Et c'est une par une, quoi. Voilà. Ah non, 30 sur 50. Le fun est présent. C'est la quête ultime. À la recherche des bananes perdues, quoi. Et vous êtes sûr que c'est bien cet avant-poste, au fait? Ah, moi je c'est sais bien pas. Le Golden Sand. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, ouais, okay. C'est sûr. Ah bah, je sais pas si c'est vraiment celui-là, mais j'ai pas regardé le nom sur la carte. Je crois ouais, c'est ouais. Ça. Avant-poste Golden Sand, ouais. Le 22 avant 20h. Du coup, mais, on est à 35 sur 50. Est-ce que c'est bien celui-là? J'en ai 5 en plus là. Quelle heure il a été dans le bateau des bananes? Il faudra qu'on retourne, je pense, une fois sur le bateau pour avoir les 50. Ouais. Bon, je vais au bateau moi aussi. Par contre, je crois qu'il reste une poule à livrer. Hein. Je crois qu'il y a une banane. Ok, au bateau. 40. Ouais, donc du coup, c'est bon, il y aura assez. Justesse, hein, justesse. Tant mieux. C'est bon, vous avez toutes les bananes qu'il faut là? Ah, j'en ai 5 en plus. Faut qu'on en récupère encore 5 dans le bateau.
N'importe ok, je vais les chercher. J'en ai 5 sur moi à la perso. Ouais. Ah. J'en ai trouvé dans un coffre. Et il me semble que le bateau dedans. Il me semble qu'il est profond. Ah non. Alors il en manque. Est-ce qu'il reste des bananes déjà dans le bateau? Et putain, le truc, je suis à moitié buggé. Qu'est-ce que c'est chiant ça? Il en reste 15. Ah, mais il y en a beaucoup encore. Bon, j'en ai pris 5, il en restait 15. Hop. Bah et voilà, tu peux les mettre dans la caisse et tu pourras le voir. Putain, mais c'est des quêtes, c'est vraiment les pires quêtes du monde, quand même. Non, mais il faut le dire, hein. Putain. Est-ce que c'est de la mauvaise foi de dire ça ou est-ce que c'est être un vieux con blasé? Non, c'est pas les quêtes les plus palpitantes. J'arrive pas à comprendre comment on peut. À quel moment on peut se dire, on peut imaginer, on va leur faire trouver 50 bananes, quoi. Mais what? Putain. C'est fou quand même. Plus t'avances, plus les quêtes sont pourries, quoi. Ah putain. Après, ça reste une quête trouvée sur une île, c'est pas une quête donnée. Peut-être pour ça. En quête donnée, ça existe aussi, des quêtes comme ça. Ah. Alors, je pense que ça doit être des quêtes au niveau, en fait, ce genre de truc, plutôt. Imaginez le mec qui joue seul, quoi. Pour se torcher les 50 bananes, là. Ça y est, on est à 50, hein. Bah vas-y, tu peux le vendre à la guilde des marchands juste à côté. Ouais, j'y vais. Du coup, c'est là, on est d'accord. Hein. Ouais, c'est là. Alors, putain, 83 PO pour la poule noire, là, loul. Et alors, attention, surprise. 83 pièces d'or pour une poule, c'est déjà bien payé, hein. Allez, c'est parti. Et 346. Eh ben dis donc. Pour la caisse de bananes. C'est pas beaucoup pour... Quelle incroyable quête. Bon, ben du coup, vous voulez qu'on fasse quoi? Moi, j'ai des quêtes niveau 10 à l'ordre des âmes. Mais même ça, on s'en fout, vu que Ziyu, moi, il est niveau 15. Chez les marchands, 10 des âmes et 20 au collectionneur d'or. Mais encore une fois, les niveaux de quête, on s'en fout. On voit bien que c'est totalement random. Donc, bon. Bah, j'arrive pas à croire que ce soit totalement random. Putain, c'est pas possible. Non, les collectionneurs d'or, bah, si. T'es où? Plus t'as d'énigmes environnementales et plus elles sont longues. Hein. Ouais. Non, mais plus elles sont longues, mais encore une fois, c'est genre un jet de dés au niveau du lancement de quête. Tu peux avoir une carte avec un coffre, comme tu peux avoir quatre cartes avec trois coffres. C'est voilà, ça c'est. Alors, ce côté-là est random, on est d'accord. Ouais. Et du coup, il y a quand même des quêtes un peu plus intéressantes chez les collectionneurs d'or, sans les plus osées. Ouais, voilà, les quêtes intéressantes. Et il y aura une mission environnementale avec les trois textes. On peut la faire. Ouais, on va faire ça, là. Donc, on va aller sur Crescent Isle. On fait ça? Ouais, c'est cette île. Vas-y. Il est où le bateau? Ah, oui. Du coup, au moins, t'as pas planqué un coffre derrière la barre, Link. Non, j'avais pas souvenir. Ah oui, sinon, si vous voulez plein d'or, on fait un fort. On est quatre, on peut le faire en une demi-heure si on place bien le bateau. Ouais, non, moi, je propose qu'on finisse juste là la quête qu'on a là, et ensuite, on fait un fort, tiens. Allez, hop. Ouais, quand on verra un crâne... Si... Je veux dire, on prend plein de boulets, on place bien le bateau à 4, ouais, en une demi-heure c'est fait. Hein. Et derrière, on gagne plus de 10 000 d'or. J'arrive. Donc là, ça sera. Ah, quel dommage ce jeu! Ouais, c'est étonnant, hein. Sur Metacritic, il doit être à 71 ou à 72. C'est incroyable, sur 100, quoi. 71, 72 Metacritic, j'aurais pas cru, hein. Bah, en fait, j'allais répondre à ça. Je pense que les sites, ils ont noté le potentiel plus que le jeu en lui-même. Parce que le jeu en lui-même, là, il mérite même pas la moyenne. Hein. Mais le potentiel, il est énorme. C'est ça, le truc. Oui, non, mais d'accord, évidemment. Enfin, s'il fallait à chaque fois noter tous les jeux qui ont un gros potentiel, Final Fantasy XV, ouais. C'est pareil, hein. Le potentiel, il est énorme, hein. Le jeu, il est pourri, hein. Ah bah sur JVC, il a dû être noté au potentiel FF15. Hein. Non mais attends, oui, ils ont foutu 18 à FF15, quoi. Qu'au potentiel.
18 à FF15, quoi, mon dieu. Je suis sûr qu'FF15, quand je l'achèterai à 15 balles, je regretterai pas et je serai content. Ah mais c'est sûr. Non, mais en plus, si tu l'achètes plus tard... Depuis un an, il y a eu quantité de packs et d'ajouts, évidemment. Mais ouais. Alors, je peux dire que quand il est sorti, non. Hein. Bah, en même temps, jouer à un jeu Day One de nos jours, voilà, quoi, c'est... faut être accroché à son slip, hein. La preuve avec ce jeu et plein d'autres. Non, ça dépend. Attends. T'as des jeux, genre les jeux Nintendo, ils sont finis direct. Hein. Excuse-moi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je confirme. Ou même des gros jeux où les mecs savent quand même ce qu'ils font, genre les Uncharted, ils sont toujours finis. Je pense que The Last of Us 2, il sera bien fini. Je pense que Red Dead Redemption 2, il sera bien fini, tu vois. Donc ça dépend, quoi. Ouais, encore une fois, non, c'est parce que c'est des jeux... Ou même le God of War, il sera fini, c'est sûr. Voilà, pareil. Mais... parce que ouais, ce sont des jeux... ligne droite, je dis pas ça péjorativement, mais voilà, quoi. Tu suis ce que le jeu te propose, tu cherches pas à t'amuser à côté. C'est ça, ouais. Le truc. Ouais, bon, je vais voir sur la carte là où on est, parce que... Il y a beaucoup trop maintenant des open world. Il y a des jeux qui se portent pas bien aux open world et... Ils en font pour tout et n'importe quoi. Ah, ok, tu mets le cap, ça devrait aller. Droite. Il y a qu'à maintenir le cap là, on va arriver. C'est vrai que moi je m'occupe jamais des voiles là. C'est pas bien du tout ça. Alors, l'angle de la voile. Il y a Dark Jack qui dit il y a des jeux des voiles. Ah non, comme Monster Hunter, c'est bon gère... comme ça. Okay. Ouais, ça gère tellement qu'ils rajoutent des jeux deux mois après, qu'ils foutent des animations à 5 balles en DLC. Ouais. Je veux dire, il y a un contenu assez pas mal au début, mais quand même quoi. Voilà, ils rajoutent des trucs au fur et à mesure. Bon, après ça, c'est, je veux dire, tous les jeux multi ont dit qu'en tout cas rajouté sur le long terme. Ouais, c'est sûr. Après, ce qu'il y a de dommage, c'est d'avoir des jeux multi qui sont pas complets dès le début, quoi. Comme celui-là, comme Sea of Thieves. Ah ouais, non mais là, c'est... bon, je pense que ce jeu, on le retiendra pour deux choses. Pour son océan, qui est, voilà, il n'y a rien à redire, mais son océan, voilà, il n'y a que ça, du coup. Non, mais il y a aussi le fait qu'on est... Attendez, regarde un truc sur le chat. Hein. Mais il y a aussi le fait qu'on ait le coup de l'équipage sur le bateau, ça fonctionne plutôt bien, quoi. Il y en a un qui a la barre, un autre qui regarde un petit peu ce qui se passe, il n'y a pas des récifs, un autre à la voile, les canons. Ça, c'est plutôt bien fait aussi, on peut pas dire. Hein. Donc, une fois, c'est l'intérêt, quoi. L'intérêt, bordel de merde, l'intérêt. Ah la vache. À tribord un peu, sinon on va foncer dans l'île éventuellement. C'est sur l'île qu'il faut aller, celle-là? Ouais, c'est celle-là. Ok. Du coup, tu peux peut-être virer à... Ouais, à bâbord, puis on se met sur ce côté. Ouais, vas-y. Le truc, c'est qu'à bâbord, on fera face au vide de la map. Pour repartir, mais bon, c'est pas très grave. Vous me dites pour l'encre. Hein. Vas-y. Go. Bon bah, on t'a pas dit, en fait. Bah si, tu m'as dit vas-y. Ah, mais je pensais que c'était le top, ça, quand tu m'as dit vas-y. Ah oui, non. Okay. Ah, putain. Ah, c'est autant pour moi. On s'est fait avoir. On enlève l'encre pour s'approcher. Non. Bon, c'est pas grave. Allons-y. Pour moi, cette quête risque d'être amusante parce que c'est environnemental. C'est mes quêtes préférées. Eh oui, du coup, le fun est présent. Soit c'est amusant, soit c'est horrible. Alors, rendez-vous au puits au sud-est, et c'est la règle, levez votre lanterne pour mon leg. Gentil serpent. Il a aussi dû y avoir 3 mois de traduction pour les rings. C'est aussi pour ça les 4 ans finalement d'attente. Non mais c'est ouf, franchement quand tu regardes des vieux gameplay d'il y a 2 ans et tout, tu te rends compte que le jeu n'a pratiquement pas évolué quoi. J'ai trouvé le puits. Tu demandes ce qu'ils ont branlé en 2 ans.
J'inspecte une grotte. Levez votre lanterne. Baril de poudre. Ah oui, j'avais mis un baril de poudre en haut du mât aussi, du coup il y en aura deux, j'avais oublié. C'est bon, je pense que ça fonctionnait. J'entends des bruits bizarres. Ah, les saletés squelettes. C'est bien. Depuis c'est bon le... Ah ça c'est déjà cool, ça suit le puits en fait du truc d'avant quoi. Ah, j'ai pas de banane. Ah mais non, même pas en fait, c'est deux fois le même machin pour les deux trucs à faire quoi, on voit que c'est généré procéduralement. Depuis le puits au sud-est. Putain mais c'est abusé, tu trouves des grottes, tu trouves des caisses, des conneries, tu ne peux rien choper, t'as aucune interaction avec les paniers, quoi que ce soit. On s'entend que c'est ça. Ça m'exaspère. Non mais putain. Là tu peut-être t'as marché au sud-est, hein, une croix pour aller au sud-ouest. Ah merde. Mais je suis vraiment con. Oh, ça doit être là, hein. Oh merde! Oh les squelettes! Cache! Ouais, enfin, mince miné, on est beaucoup à s'être jeté sur le jeu Day One parce que, avec le Game Pass, quoi. Enfin, moi perso, le jeu là, j'y joue pour 3,50€. Donc, c'est pour ça. Ouais, j'y joue via Game Pass, pareil. Pareil, j'ai pas acheté le jeu. Et le jeu, je l'achèterai peut-être dans 3 mois quand il y aura la première grosse mage. Mais c'est tout quoi. Oh bah la quête est terminée, bravo. Une bien belle quête. Un coffre d'aventurier. Oh putain, faut pas aller trop près. J'ai trouvé un baril de poudre. Est-ce que ça vaut le coup de le ramener? Des fois je peux pas mettre ma pelle, c'est hallucinant. Un baril de poudre c'est genre 150. Un baril de poudre c'est genre 150 PO, mais ça fait augmenter la guilde des marchands. Bon, j'ai trouvé un coffre d'aventurier. Hein. Je le ramène aussi. Et les barils de poudre, ça, les barils de poudre, ça peut one-shot les navires aussi. Si tu le fais péter sur un navire, le navire il est mort, il coule. Tu peux pas le sauver. Donc ça peut être marrant pour le PVP. Il y en a un nous qui fait le kamikaze avec son baril qui va dessus et qui le fait péter. Attends, j'ai une question au sujet des barils de poudre là. Parce que hier quand j'ai joué en solo, j'étais sur un navire ennemi. Et j'ai essayé de faire péter leur baril de poudre, mais ça, je ne pouvais pas. Oui, mais non. Sinon, c'était sûrement leur baril pour les boulets de canon. C'était pas les barils de poudre. C'est ça. Ouais, donc non, c'est différent. Ah, d'accord. Différent. Donc, si tu veux faire péter un navire adverse, tu dois en fait trouver un baril de poudre, le ramener sur leur bateau et le faire péter sur leur bateau, c'est ça? Tu peux faire ça, ouais. Sur un galion, je sais pas si ça one shot, mais un sloop, c'est one shot. Tu peux pas écoper ou quoi que ce soit, le navire il est mort. D'accord. Du coup, ça peut être une technique d'attaque assez marrante. Effectivement. Bon, tu me dis au pire, ouais, l'aventurier. Une heure avant, je joue encore une heure ou pas. Après, s'il y a quelqu'un dans le chat qui veut me remplacer, libre à lui. Bon, mais sur le chat, vous avez entendu, il y a Link qui joue encore une heure. Donc, si quelqu'un veut remplacer Monsieur Link Roy dans une heure, qu'il fasse signe ou se taise à jamais. Si possible, un autre Québécois, ça serait bien. Une femme à barbe. Merde, on va en mettre une à la limite. Sauf que mon accent québécois il risque d'être plus insultant qu'autre chose, donc je vais m'appeler. On veut vidéo. Ah, ils veulent vidéo de F1. Eh ben ça va être la joie. Je propose un vote démocratique sur le navire pour ça. Ou alors on fera un straw poll sur le chat. Disons qu'il était pas très sérieux, on va dire. T'es plus dans une attitude trollesque. Bah du coup on lui disait de tourner à droite avec le navire et tourner à gauche quoi. C'est un marrant. Ça vous dit de mettre au peur ou cachot? Oh non c'est bon, j'ai déjà été plein de fois là, arrêtez. Hein. Ça va bien hein. Oh. On fait quoi? On lève l'ancre là ou quoi? Oui, non. On a pas de quête active, donc. On a pas de quête. Alors est-ce que vous avez une quête? Vas-y, je propose une quête de coffre.
Le pactole accumulé par le Alors, grand peut-être qu'on va avoir du bol. Allez. Je le sens bien, là. Voyons. Eh non, c'est de la merde. Oh là là, mais c'est en déconner. Une seule carte okay, bah, et un seul coffre. Quoi, mais... Oh mon dieu, ce attendez, jeu. J'en ai une oh, deuxième, ce on jeu. J'en ai une deuxième. Putain, ce on jeu. Annule, on annule. On l'annule, on l'annule. Annulez-moi cette merde. Oh putain, c'est incroyable. Je propose la incroyable. Deuxième. Ce jeu. Et il y en a Alors. Qu'une. Ah, mais il y a trois coffres, par contre. Ah non, c'est non, bon, là, on y va. Il y a quatre coffres. Il y en a quatre. Oh, puis c'est Shark Tooth qui, en plus, c'est une petite île, on va les trouver ultra rapidement. Hein. Parfait, y a. Quatre coffres, les gars. Go, go. Je le sens bien. Quatre coffres. Ah non, non, c'est pas celle-là. C'est... Non, oui, elle est différente, Shark Tooth qui. Non, c'est pas celle-là du coup. Ah, c'est celle-là, la Lagoon of Whispers. C'est Lagoon of Whispers. Ouais. Allez. Voilà. J'avais trouvé une bouteille à la mer à un moment, c'est une carte au trésor. Sur l'île, il y avait 6 trésors, dont 2 de capitaine. Au final, sur une carte, je me suis fait ouais, 2500 PO, hein, c'est comme ça. Bon, on est 4, je propose qu'on fasse évidemment chacun un coffre. Moi, je prends le coffre de l'espèce de banane qui a tout en bas. Ça sera facile à voir, ça loule. Faut aller où je prends celui de... le 4. Je prends le nord. Je prends le nord. Ok. Donc Link, il prend celui de l'îlot droite et du coup GG, il te reste le tout petit îlot à gauche. C'est bon pour tout le monde. Je continue à virer là. Le minuscule îlot à gauche là, ok. Ouais. Ça sera compliqué. Les coffres de maraudeurs, c'est pas si mal. Hein. Les coffres nuls, c'est les coffres de naufragés. Maraudeurs, c'est genre 400, 600 PO le coffre. Donc, c'est pas les plus pourris. Du coup, faut bien aller au sud là. Est. C'est au Lagoon of Whisper qu'on va. Donc en fait, c'est direction sud-est, à sud-est là. Hein. En plein sud-est. Voilà. Alors les voiles sont comment là? C'est un petit peu mieux les mettre que ça. Je gourre tout le temps entre le longueur de la voile et l'angle de la voile au niveau des poulies. Alors attends. Ah, t'as un peu trop viré là, GG. Ah ok. Attends, tu vires de quel côté là, je retourne à droite. Tu vas par là, donc... Ah oui, il faut que je laisse comme ça. Ça me paraît très bien comme ça. Eh, je veux pas dire, mais le Québécois, il est en train de se bourrer la gueule dans la colle. Hein. Ah putain. C'est la 4-0, Rumi, le retour. Il y a la cellule de dégrisement au pire. Alors, est-ce que c'est l'île qui est juste à droite? Là, je suis pas sûr. Vous allez pas me faire ça quand même. Ah. Non, à droite, c'est Sea Dogs West. Donc en fait, c'est derrière l'énorme récif qu'il y a devant nous. Derrière. Du coup, je tourne. Non, ouais, je pense droite non. Du récif. Ouais, vire à tribord. Putain, ouais, okay, bon, on va tenter de contourner le récif habilement. Donc là, tu maintiens le cap. Rien, ne bouge là. Plus. Un petit peu bâbord, hein. Un petit peu bâbord. Oh, reviens, quoi. Dessus, genre, que dalle. Non, tribord. Là, c'est à tribord. Tribord. Ouais. Ah bon. J'ai encore tourné à tribord. Encore. Ouais, encore. Là, en fait, tu vas full sud. Full sud et on y est. Non, non, mais attendez, Fait. Non, mais là, il y a une île, là. Non, non, bâbord, reviens, là. Reviens. Bâbord. C'est cette petite île. Ah, mais c'est celle-là. Bah alors, je demandais si c'était cette île-là. Tu me dis que non. Qu'est-ce que c'est que ce matelot? C'est bon. Il est tombé à la mer, c'est bon. Bon, parfait. D'abord, t'es pas sur moi. Un homme à la mer, mais n'arrêtez pas le navire. Oh, c'est dégueulasse. Mais t'es sûr que c'est cette île-là? Elle est toute petite. Oui, je suis certain. D'accord. Ah, c'est parce que non, mais... Un tout petit peu à tribord. Ah ouais, c'est celle-là, ouais. Ah merde. Couper. Ah oui, merde, l'encre. Putain, j'ai oublié. Ok. Ah putain, on a touché. Oh. Ah non, mais c'est ma faute, là. J'ai tout oublié, non, mais... c'est fini. Hein. Non, c'est la mienne. J'ai fait confiance au capitaine. J'ai été... Il ne faut jamais faire confiance au capitaine. Ah oui, j'ai cru remarquer. Il atteint plus loin, hein. Bah, tu pourrais. C'est marrant, normalement, parce que t'as pas l'impression que les bateaux vont vite, là. Mais quand tu t'en bats à la mer, en fait, tu te rends compte à quel point ils vont vite, quoi. Ouais, bah ouais, c'est ça.
qu'il est con. J'ai peur qu'il prenne l'eau pour la rejeter par terre. Et j'avais pas vu que mon seau était plein. Bon, du coup, tout le monde connaît son emplacement, là? Bah oui, mais je suis encore loin de l'île. Oh là là, mais qu'est-ce qu'il a foutu? Oh non, 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 non. Ah, moi, j'ai on pas m'a le temps. Poussé on m'a poussé. J'annonce, j'ai pas le temps. Oh putain. Ah ouais, moi, c'est bien cette île. Ça m'arrive pas que je vais mourir, là. Non! Oh là là, du... C'était compliqué. Du coup, j'allais aller à mon emplacement, en fait. Ah, c'est bon, j'arrive. Ça, c'est l'île du bas. Genre. Bon, alors, je... Ah, moi, c'est là-bas. Très bien. Bon, du coup, Link, ah, si t'es trop loin, on va prendre ton coffre. Hein. Non, je suis arrivé, mais là, faut juste me repère, en fait. Mais genre, c'est pas là, quoi. Ah, si, c'est là. D'ailleurs, j'entends, c'est... tiens, c'est pas là alors que mais je. Mais putain, j'ai 150 000 squelettes qui viennent sur moi! What? Attends, c'est des squelettes dorés ou quoi? Ah non, c'est bon. Allez, c'est bon, ils sont morts. Putain! Bon, moi, c'était un coffre de mal à me repérer. Moi aussi. Et n'hésite pas à utiliser ta boussole pour savoir dans quelle direction t'es, mets-toi au nord, et puis la carte elle est toujours ben, en haut, c'est le nord, quoi. Du coup, tu sais direct quelle île faut aller. Ça, c'est une bonne astuce. Si vous voulez rire, je vous conseille de lire Orishi Marugin sur le chat. Orishi Marugin. Les combats explosent Zelda et les squelettes de ce Sea of Thieves sont plus intelligents que ceux de Zelda LOL. Mais c'est sur l'île ici en fait. La petite île ici. Ok, ça veut dire que ça serait... Marron. Ah. Ça serait ici. Apparemment, j'ai trouvé Microsoft explose aussi Nintendo et Sony sur un coffre de maraudeurs, je crois ça. Je t'aide à piquer les squelettes. Puis ils sont plusieurs. Bordé. J'ai mis ma balle. Bon, allez, on rentre au bercail. Je suis allé déterrer le dernier coffre. Non, non, tu ne rêves pas, j'ai bien tué 3 squelettes avec le coup d'estoc. Il faut charger un petit peu, après tu relâches et tu peux faire pas mal de dégâts comme ça. Alors, on va foutre ça là-dedans. Alors, un coffre de naufragé, aventurier, et un coffre de maraudeur, du coup. Bon. Et voilà, ouais. Et un coffre de naufragé tout pourri que j'ai mis derrière la barre. Des fois qu'on l'oublierait, on aime mieux pas y penser. Oh que c'est beau, la couleur bleue. Je suis content de ma nouvelle lanterne. 7 sur 20. Incontournable. Je rajoute 2 points. Grâce à cette lanterne, c'est le best game of hier. Hein. Attention. Bon bah. Sans déconner, t'as une dégaine. T'es vraiment prêt pour l'Eurovision, hein, je te le dis. Hein. C'est pile poil ce qu'il faut. Hein. Tu ne peux que gagner comme ça, putain, c'est obligé. Bon, vous avez une nouvelle quête en cours là? Ah, ce que j'aime en perso, c'est qu'au final, il ressemble d'un homme. Ça porte son corps, mais il ressemble vraiment d'un homme. T'as plus de quête? Plus de quête. Je crois qu'il m'en reste une. Hein. Oh putain. Oh la vache. Je peux danser pour toi, si tu veux. Allez, vas-y. Attends, moi je mets la musique. Ça va bien marcher. Ah oui, non, parce qu'attention, je ne peux pas éclairer, évidemment, et faire autre chose en même temps, ça ne marche pas. Donc je ne peux pas jouer de la musique, c'est triste. Franchement, on s'approche d'un jeu d'horreur, là. Le fun est présent.
En fait, c'est en faisant pas les quêtes, en faisant n'importe quoi, fait que les 1 heure restante, on reste comme ça. Les gens du chat sont contents, on est contents, on s'amuse. Ouais, bah je regrette pas du tout mes 3,50€ investis dans ce jeu. Ouais, ben moi c'est 70 balles. Ouais, bah. J'en reviens pas que j'ai foutu 70 balles là-dedans. Sans déconner, je crois que même mes 2 exemplaires de Secret of Mana, c'est encore mieux que ça. Et pourtant, putain, on parle du remake de Secret of Mana sur PS4, quoi. Ah la vache. Pourquoi 2 exemplaires? Ben, un dématérialisé et un autre en dur, j'ai pas encore ouvert, en boîte. Ne me jugez pas. Oh, c'est fait depuis longtemps, je crois, Hooper. Il ne faut pas juger son capitaine. Bon, il faut que l'un de vous deux merde, accepte la quête. On a 2 votes sur 4 là. Ah oui, vous faut accepter les quêtes, c'est vrai, on avait oublié. Encore une grande idée, ça. Ah, la quête, c'est joli, ça. Voyez un peu, qu'est-ce qu'on a. Il y a un seul coffre. Oh là là. Mais c'est pas possible, ce jeu, nom de Dieu. Mais c'est incroyable. La fin est présente. Mais non, mais c'est pas normal, putain de merde. Vous êtes censé prendre des quêtes de niveau 20 et plus, quoi. C'est incroyable. Bah ouais. Ça me sidère. Il n'y a aucune différence avec le niveau 1. On a particulièrement pas de chance là, j'ai l'impression. Quand je fais en solo, c'est souvent 3 ou 4 cartes par quête. C'est ultra mal branlé. Non mais rien que le fait déjà quand on joue à 3 ou à 4, le jeu devrait comprendre justement qu'on est 3 ou 4. Il devrait soit mettre beaucoup plus de coffres ou faire en sorte que ce soit plus dur ou je ne sais quoi. Mais non, c'est pareil. T'as les mêmes bordels que soit en solo ou à 4. Tout est mal branlé dans ce putain de jeu. Oh, au secours. La musique elle est bien quand même. Ah oui, c'est vrai. Il y a 3 musiques. Putain, on peut plus. Ah, j'en peux plus. La musique de la dépression. La seule chose qui est bien, la musique et la lampe. La chansonnette de la dépression, là. Mais ça manque. Le feu est présent avec cette musique. Ah oui, on avait dit qu'on essaierait de faire un crâne aussi un fort. Ça résume le jeu. Oh. Ouais, j'en vois pas non plus. Pourtant, enfin, de faire un crâne, il n'y en a pas. Merde. Après, c'est aussi parce que, c'est un crâne, je sais pas, genre toutes les 2 heures, mais si un autre équipage le fait, bah, il disparaît du coup. C'est aussi ça. Donc peut-être que là, il y en avait un, mais qu'un autre. Encore un truc ultra mal fait, regarde. Là, je tiens ma lanterne dans ma main droite, je me dis, allez. Je vais faire une émote pour le fun, genre montrer, et la lanterne disparaît. Oh mais. Voilà. Ouais. Ah, c'est des vilains, quoi. Mais il y a plein de micro-trucs comme ça qui te cassent l'immersion, putain. Qu'est-ce que c'est énervant. Ouais, j'essaie de trouver la musique triste, bon. Vous avez des camarades. Les avant-postes là-bas avec ceux qui tirent des canons, c'est pour quel genre de mission? Ah, c'est pas des avant-postes, en fait c'est des îles avec des squelettes et bah, qui ont des canons. Du coup là-bas ça doit être un fort, mais pas le fort du crâne squelette, un fort au pif. Voilà. Du coup tu peux très bien avoir un coffre à déterrer sur une carte comme on a là sur cette île. C'est quand il y avait une épave derrière nous. Hein. Ouais, mais je crois qu'on a. On n'a pas été tout à l'heure, c'est ça qui dépassait. Ah, peut-être. Il me semble que si. Je ne sais plus. Oh, c'est beau là. Ça
avec cette musique, vous allez devenir nostalgique du jeu. Je voulais pas m'asseoir, nom de Dieu. Quel jeu à la con. Ah, perso, le son de la musique, je l'ai mis à 15. Parce que mon pote, il arrêtait pas d'en jouer, ça me cassait le crâne, donc j'entends quasiment plus. Et c'est très bien c'est comme bien ça. Que tu joignes à moi, GG. Par contre, faudrait peut-être tenir la barre. Ouais, faites gaffe là. Un petit quoi tribord, ça c'est pas de refus. Hein. Est-ce que c'est vraiment important? Non, c'est une titi la tribord. C'est trop. Oh putain, tribord à fond là. Pourquoi on s'arrête? On n'aurait pas pu en fait, le galion il est trop gros, il aurait pas tourné de façon. Ah bon? Ah, mais d'ailleurs, il y a une épave là de joueurs à droite. Ah, où ça? De joueurs ouais, c'est que des coffres. Ce ne sont que des coffres, donc c'est que des consommables, bananes. Une épave de joueurs à ça, tu veux des dire tonneaux, là pas... Non, des tonneaux. Ouais, pas les coffres restants, les tonneaux, ouais. Ah oui, non, mais c'est rien. Quand t'as bateau cool, il y a ça qui remonte à la surface. Du coup, il y a vraiment un con qui a fait comme nous, sauf qu'il a oublié de lâcher l'encre. Sans doute ça. Ah, Ludwig de la. Ah, attendez, bougez pas, je vois un truc. C'est soit une. J'ai l'impression que j'ai vu un crâne. J'ai l'impression que j'ai vu un crâne sur la plage. Ouais, il y en a un, je vais le chercher. Ah, tu l'as vu toi aussi? Ouais. Ah, t'as l'œil. Oh, c'est un crâne sordide. Ça, c'est 1000 PO. Oh, du coup, moi, je cherchais le poulailler. Je crois que c'est un crâne posé sur la plage qui vaut plus que tout ce qu'on a ramassé depuis une heure. Le fun est présent. Ah, c'est. Bah, c'est pas plus mal, au moins ça. Il y a un peu de surprise. C'est complètement con, mais c'est pas plus mal. Et c'est ça, tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'on se fait chier à faire les quêtes alors qu'en fait, il suffit juste d'aller sur les îles et d'explorer comme ça les îles. Ouais. C'est pareil. Ouais, hein. Mais non, parce qu'explorer les îles, c'est assez rare des trucs qui valent genre plus de 200 ou 300 gold. Donc bon. Par contre, le truc qu'il faut faire, c'est qu'à chaque fois que tu vas sur une île des terrains à coffre, tu fais le tour vite fait s'il n'y a pas un truc qui traîne. Mais ouais. C'est ça. Je sais pas si c'est en hauteur ou ici que le coffre. C'est tout à gauche. Hein. Les petites îles là, elles sont à droite. Ah non, Dark Jack, la proue c'est 50 000, pas 100 000. Enfin, c'est 50 000 pour les premières. Les deuxièmes, je crois que c'est 100 000. Non, l'Arxiane, apparemment, Rare a dit qu'il n'y aurait aucun DLC payant. Bon, après, est-ce que ce sera vraiment le cas, ça, personnellement, j'en doute. Mais c'est ce qu'ils ont dit. Mais genre, si on voit cette transaction pour les cosmétiques, je veux bien le croire. Parce que bon, c'est comme une aberration de faire des DLC payants alors que le jeu est déjà vendu trop cher, quoi. Je vais même être sincère, j'espère qu'il y aura des micro-transactions à la con. Comme ça, il y aura plein d'abrutis qui vont les acheter. Rare va avoir du pognon, ils pourront faire d'autres trucs en plus. C'est ça. Dans le jeu, c'est quoi. C'est pas faux. Bon, j'explore l'île. Hein. Je vous laisse vous occuper du coffre. De toute façon, je sais même pas où je suis. Ah, remarquez, je suis peut-être pas loin, là. Du coffre. Ça sera en hauteur. J'ai fait une petite tentative, tiens, au hasard, là. Ouais, je pense que ça doit être en hauteur. Ça aurait été tellement beau. Tout l'autre côté de l'île. Bon, ça peut pas être ici. Hein. Putain, mais je vais crever. Peut-être plus ici, genre. Je vois le gros rachet là-bas. Ici. Non. Ok, bah j'ai trouvé un bouquin. Voilà, qu'on peut lire. Un bouquin, t'as trouvé? Oh, il est long. Ouais. Incroyable.
Alors je suis. Bon, c'est en anglais par contre, donc voilà quoi. Vas-y. En gros, j'ai pris les traducteurs pour tout traduire. À l'ouest, ah ouais, je sais pas si tu veux le voir ou pas. Si. Les mêmes, ils n'attrapent pas. En bas là. Attends, je me fais bourrer là. Non, Dark Jack, pas en entier, il y a 4 phrases. C'est comme aberrant, je crois qu'ils ont même pas traduit ça, quoi. Enfin, c'est clair. Je m'expliquer. Dans le prochain patch. Mais what? Et du coup, Hooper, je sais pas si tu veux voir le bouquin. Ouais, c'est d'accord. Ouais, j'arrive, attends, je suis en train de citer des squelettes, mais je vais mourir. Oh putain. Bon, je fuis. J'ai plus de bananes. Taille vers le sud. En fait, à l'opposé où il y a le bateau, en fait, à gauche, l'endroit où il y a le bateau. Ouais, je suis à l'opposé, ouais. Moi, je regarde juste s'il n'y a pas des petites conneries à choper, on sait jamais. Alors, je crois que je suis près du coffre. Ah, là, il y a la plage. Oui. Du coup, la carte. Bon, je reviens. Ah non, mais là, moi, je suis au sud. J'espère que le squelette est plus là. Il s'est allé. Que je t'ai vu, là, au-dessus de moi. Hein, ah oui, oui, je te vois. Oh putain, le squelette est là. Ah, je pense qu'il va me bourrer. Attends, ça doit être quoi, ici, ici, il y a le... Si on est là, ça veut dire que c'est plus... Bon, c'est t'as bon. Pas de banane ou quoi? Mais j'en ai plus. Oh. Il me poursuit, là? Ah, il me poursuit, putain. Et du coup, il y a un trou Elixir. Dans la plage. Ah, voilà, c'est là. Elixir qui dit « Ouais, mais dans le collector, il t'offre la corde et le tabouret. » Ah, oh, j'ai trouvé l'emplacement du coffre, tiens. Mais saute. Ah, je fais des bananes. Incroyable. Non, non, mais vraiment, je suis juste là. On est un peu plus là. Bon, du coup, j'arrive. Alors, c'était quoi cette histoire de bouquin, là? J'ai pas suivi. Hein. Peut-être pas. Ouais, enfin, t'excites pas trop non plus. Hein. Parce que tu vois, là, t'as le trou de la plage en deux où il y a l'eau qui passe. Ah, mais on est trop... En fait, on doit aller encore plus là. Hein. Alors, Hooper... Clairement, il y a une belle distance. Hein. Le bouquin revient vers le bateau. C'est en face où il y a le caillou sur la plage. Donc ça doit être sous le groove qu'on voit. Donc, ça doit être... Ça se trouve à l'entour d'ici. Ici. Là. Ah, je l'ai. Je te couvre. Et oui, l'escalade se réveille. Bien joué. Merci. Ah, c'est plus ah non, c'était... En plus, c'était une quête en une partie, en un chapitre. Ouais. Comme hallucinant. Un coffre d'aventurier uniquement. Attends, vas-y, je te le laisse. Ah, ici, Hooper, derrière toi. Juste derrière toi. Regarde. Ah, tu veux aller voir le bouquin, en fait, Ingra? Alors, attends, t'as trouvé un bouquin ici. Ici. Ah, mais la vache, putain, mais c'est vrai, en plus. C'est la première fois que je vois ça en 20 heures de jeu. Il y a un bouquin. Les mers nous appartiennent. Ah, ils l'ont pas traduit. Ouais, mais vu. Mais t'es bilingue, donc c'est pas un problème. Ah putain, sans déconner quoi. Ils ont dû mettre 3 bouquins dans le jeu, ils les ont pas traduits. Le cerveau, maman. C'est incroyable. Non, mais vas-y, on s'est pas assez marré aujourd'hui, je trouve. Le bateau, il est là-bas. Eh ben dis donc, il y avait 3 phrases quoi. Et c'est le bouquin que j'avais trouvé sur une autre île déjà. Donc en fait, il y a peut-être un seul bouquin sur plusieurs îles. Ah, et t'avais déjà trouvé le même sur une autre île. Eh ben dis donc. Ouais, c'était celui-là. Eh ben dis donc. Ah, y'a... C'est pas un nom. Jouer de la musique. Voilà. Quand il y a dans le sol, en fait, j'ai cru que c'était une bouteille, en fait, de loin. Quand je me suis approché, il a voulu m'agresser. Ah, vous avez peut-être remarqué, mais si vous tombez de trop haut, bah, vous prenez des dégâts de chute et derrière, votre perso, il boite pendant quelques secondes. Oui. Voilà. Ouais, c'est marrant. Il y a tellement rien dans le jeu que c'est bien de le souligner que ça existe.
Non mais c'est ça, en fait ce jeu ils ont pensé aux petits détails mais pas aux trucs importants quoi. Ouais. Parce que un truc, je sais pas si vous savez, mais qu'on l'équipage n'a rien vu parce que vous avez trop bu. Oui, en fait, ça, vous pouvez sortir votre seau pour vomir dedans, puis comme ça, genre, vous pouvez le conserver le vomi pour lancer sur un ennemi en fait. Bah ouais, il y a même un succès pour faire ça justement. Tu sais ce que j'en vais faire là? J'ai une nouvelle mission. Je voulais prendre la longue vue, mais en fait j'ai appuyé sur R2 avant, et vu que j'étais en haut d'une falaise, en fait j'ai foncé dans le vide et je suis mort. Bravo. Bah finalement c'est pas plus con, comme ça tu vas te TP sur le bateau, ça ira peut-être plus vite. Voilà. Très belle manœuvre, capitaine. Tout était prévu. Ça y est, je suis sur le bateau, hein. C'est le retour du capitaine! Est-ce que tout le monde est là? Oui. Je suis là. Par contre, remontez les voiles pour qu'on fasse du surplace pour tourner, sinon on va se prendre les récifs. Ok, vous me dites quand on lève l'ancre. Hein. Bah, dès que les voiles sont remontées. Ah, tu veux partir à tribord? Bon, ok, je vais venir à bâbord. En fait, bâbord, c'est mieux en fait. Je suis bigleux. Ah ouais, ça fait 2 heures. Donc je propose qu'on fasse une petite pause là. Enfin, quand vous voulez, maintenant, ou dans 5 minutes, 10 minutes. Ah, moi ça me va, je commence à crever de faim, donc je dirais pas non à grignoter un truc. Ah du coup, Une pause, moi je vais m'arrêter. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Link. Link, tu veux t'arrêter maintenant ou tu veux reprendre après? Bah moi j'ai encore une demi-heure devant moi à peu près là. Tu veux, à moins, je sais pas, vu que tu postes avec ta co... Bah, on peut déjà au moins aller à l'avant-poste pour vider ce qu'on a obtenu. Bah, si te reste une demi-heure, ouais, je propose ouais, qu'on fasse encore genre 10 minutes, 15 minutes, et puis ensuite on fait la pause. C'est mieux peut-être. Ouais, en fait, ça me convient. Au pire, si je commence à tourner de l'œil, je couperai mon micro pour manger un bout. Ouais. Donc, est-ce que quelqu'un sur le chat veut remplacer notre ami Link? Il faut que ça soit quelqu'un aussi charismatique que moi. On peut aussi prendre un belge. Hein. Loul. Vous préférez rire des Québécois ou des Belges? Ah, moi je ne fais pas la différence entre les deux personnellement. Les Belges, c'est une valeur sûre quand même. Et je dis ça sans méchanceté, j'habite juste à côté et je vais souvent en Belgique. J'aime beaucoup vos chocolats. Et vos bières. Chocolat belge. Surtout vos bières. Sûr que les bières belges. Capitaine Hooper. Oui. Capitaine Hooper. Oui. Il faut se retourner. Il faut se retourner. Où? Qu'est-ce qu'il dit? J'en ai marre de vous. Il n'y avait pas d'eau dans ton truc. C'est du vomi, ça fait marcher. Ah non, j'ai rien eu, hein. Oh là là. Il s'est rien passé. T'as mal visé. Toute cette mission. C'est un fail. Non, dans mon écran, il l'a reçu en pleine face. Toute cette manœuvre. Il s'est rien passé là. Ton saut, il était vide. Je suis déçu. Oh là, moi, il était pas vide. Je suis déçu. Va bon. C'est la connexion. Astérite. Peut-être que dans 5 minutes, tu vas recevoir du vomi. Ah bah attends, il y a Astérite qui nous dit qu'il veut. Il veut participer, mais il n'a joué qu'1h30 avec GG Sasa hier, je connais pas grand-chose. Ah non, docteur, il peut pas se venger au peur, il y a rien. Ah non, mais c'est pas si mal, comme ça, si on fait une mauvaise manœuvre, on dirait que c'est de sa faute, parce qu'il sait pas jouer. On ne prend que les gens qui ont déjà joué 50 heures à ce jeu, que les choses soient claires. Ah ouais, ça va être compliqué, là. Minimum, hein. Bon, mais si tu vas, Astérite, tu vois avec GG Sasa, là, sur le chat. Non, tu vas lui donner ton gamer tag. Quand on fera la pause et on fera une session. Pas en face, parce que je ne sais pas si tu peux rejoindre l'équipage quand on est déjà en mer. Oui, en plus, si les trois se cassent. Mais il faut qu'ils se dépêchent avant qu'un random nous rejoigne en fait. Ouais, il y a un dame. Est-ce qu'on tente d'attaquer le bateau? Oui. C'est un galion. On fait quoi? On le bouge. Ça, c'est pas la tête. Ah oui, là-bas. Il y a un 3-mains. Préparez vos sauts de vomi. Il y a un 3-mains, on fait quoi, là? Bon, je propose qu'on se bourre, on a qu'à coffre à la con, non?
On a juste un crâne rare, mais ouais, mais après. Ah oui, ah putain, il y a un bon crâne par contre. Ah la vache. Non, on a plein de coffres, on a plein de coffres. Ah mais crâne recherché sordide, il est pas mal, hein. Non, on n'y va pas. On n'y va pas. On a un avant-poste. Mais j'ai l'impression qu'ils vont au même avant-poste que nous, par contre, hein. Merde. Ils vont en direction de l'avant-poste. Quel incroyable. On peut aller à celui au nord. Il est un peu plus loin, mais on peut aller à celui au nord. Ah, du coup, je sais pas là. Vas-y. Non, mais nord, là, ils vont à gauche, donc ils vont à celui au nord, je pense. Hein. C'est devant le outpost, il est devant. Du coup, parce que là, ils vont à l'avant-poste qui est au nord par rapport à nous. Hein. Par rapport à nous, ouais, mais le nord et le sud, par rapport à où t'es situé, ça change tout le temps. Non, mais. Bah, ouais, non, mais au nord. Ah, mais en fait, on s'est complètement retourné. Ils vont pas à l'avant-poste. Bah, indiquez-moi dans quelle direction je dois aller pour aller à l'avant-poste le plus proche. Là, c'est au sud-est. Ok, ouais, c'est ça, ouais. Ah, mais en fait, on s'est retourné sur le navire, en fait, du coup. Ok, on a tapé là, non? On n'a pas tapé un rivage? Non, je crois pas, non. Ah, ok, j'ai cru. Autant pour moi. On va aller vérifier. Non, c'est bon, c'est dans la calière. Sinon, c'est tout simple, c'est avec Astérite, je l'ai déjà en ami, en fait. Qu'on a joué hier. Par contre, j'ai peur que le galion nous prenne navire, en chasse. Je crois qu'il vient vers nous, hein, le galion. Ouais. Il est tout proche. Ah ouais, il va venir. Il va venir. Ah là, on va se faire avoir là. Ouais, faut bien jouer. On compte sur toi. Bah, déjà, on est 4, donc du coup, au pire, si on ramène tous nos machins à l'avant-poste, je pense pas qu'on a plus de 4 trucs. Okay. Hein. Au pire, le coquin naufragé est au pire. Ouais, non, mais voilà, il faut prendre le crâne. On a deux coffres d'aventurier, un coffre de maraudeur. Oui. Bon, on a quand même 6 ou 7 coffres. Hein. Et une poule dorée. Ah merde, on a beaucoup de trucs en fait. Ah ouais, on a au moins 8 ou 9 trucs à les vendre. Hein. Attention. Alors. Ok, non, en fait, ils nous suivent pas. Ils vont dans l'autre sens. Ils nous suivent pas? Non, ils sont à bâbord derrière. Bâbord derrière. Je ne les vois plus du tout. Donc attends, par rapport. Ils sont au nord. On les voit au loin. Au nord. Ah là-bas. Ah oui. Ouais, c'est bon. Ils se sont éloignés de notre position. Le cap. Ouais, tu peux virer un peu plus à tribord là, plus vers le sud. Mais le truc c'est qu'il y a vraiment 1000 pile poil en face, donc on va un peu la contourner. Bon, tu vois. Hop. On peut rapprocher comme ça. Vous pouvez aussi balancer les voiles à gauche. Hein. Ouais, c'est ce que je suis en train de faire. Alors les voiles à gauche. À ceux qui. Moi, je ne branle rien. Si on est des poires, tout ça, c'est parce que là, on a une chance de se faire couler, et si on se fait couler, on perd une heure de jeu. Ça l'a fait un peu mal. Déjà qu'on se fait un peu chier à récupérer des trucs, si en plus on les perd derrière. J'ai cette voile. Mais non, c'est pas long. À chaque fois, je me gourde poulie. Hein. Ah, moi, on est bien avec les voiles. Ça va, Renaud? Renault, il a un peu changé. Hein. C'était Renault avant, maintenant ce n'est plus vraiment Renault là. On sait pas trop ce que c'est. Hein. Là, c'est Renoir. Ah ouais, je vois l'avant, tu vois ce qu'il est là. Oh putain. Voyons des bonnes gueules les personnages du jeu. Le fun est présent. Eh oui. Après, tu joues quand même pas mal. Ouais, c'est ce que je t'ai dit en MP, hein, Hooper. Il a un goût de reviens-y ce jeu pour que tu joues tout seul aussi, comme ça, random le soir. Oui, non, mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, mais il y a quand même un truc dans ce jeu.
Je pense que c'est le fait qu'il soit aussi calme par rapport à tous les autres jeux coop, multi, où généralement ça va hyper vite, tu prends ta mission, tu l'as fait, boum boum. Là, t'as beaucoup de phases où c'est juste calme en fait. Et c'est peut-être ça la grosse différence en fait avec les autres jeux. Il a une ambiance assez dingue pour un jeu multi. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance. D'où le fait que c'est un énorme gâchis, encore une fois. Bah oui. C'est la musique qui représente le mieux le jeu, c'est bien. Hooper qui s'amuse. Est-ce qu'on me déconcentre? Tu m'éblouis! Tu pourras virer à Tribord, parce que là on va arriver derrière l'île sinon. Attention! Tribord toutes? Ouais. Faites pas les cons! Ah, mais j'aimerais tellement pouvoir me mettre là au bout de la proue, à tenir mon incroyable lanterne et me mettre en émote. Mais non, malheureusement, on ne peut pas. Le jeu n'est pas assez évolué. Ouais, sur le je quai. Je tourne un peu à bâbord. Ah ouais, non, tu vois pas le quai. Ouais, bâbord un petit peu, ouais. Bâbord un poil. Voilà, ne bouge plus là, si possible. Ah, si, peut-être un tout petit peu plus à bâbord. Vas-y, redresse et on peut-être l'encre. Tu me dis pour l'encre. Ouais. Ouais, ouais, l'encre, vas-y. C'est bon là. C'est bon. Allez, bien. Oh là, ça. Ah, pas mal là. Ah oui. Excellente manœuvre, matelot. Bon, je prends cet incroyable crâne. Normalement, ça doit être 1000 gold celui-là, le doré. 1000-1200. Oh, le retour de Dixie. Et là. Mais oui. Il est là en bulk. Ah, c'est pas là. Putain, comment je fais à chaque fois pour me planter? Attendez. Lui, il est là. Je vais trouver. 76, j'ai des coffres serrés. C'est pas ça. Il y a ça. Du mât. Je sais pas. Ah, si bah je prends ma garde. Ah, c'est là. Ah. Vous voulez garder un baril de poudre pour essayer de passer à l'occasion ou on les revend? Bah du coup, est-ce qu'on reste dans cette partie ou est-ce qu'on... Non, on peut les revendre, hein. Je propose qu'on les revende parce que... Ah, ok, ouais. Non, de toute façon, à mon avis, on va sûrement couper la session pour en reprendre une, donc... Ce sera une nouvelle instance. Oui, oui, c'est vrai, j'avais pas pensé. T'as un 178 ou 237, la poule seulement, alors c'est une poule dorée, quoi. Merde. Ça va donner combien ça, bien. J'ai pas vu combien a rapporté le crâne. J'ai rien vu moi non plus. Non, c'est moi qui ai rapporté le crâne. Ouais mais je veux dire en or on a gagné combien avec 854. Ah. Le prix exactement. De semaine c'est aussi random. Hein. C'est une fourchette à chaque fois. Ouais ouais c'est entre 800 et 1200. Putain, mais ce qu'on récolte, quoi, 243, 166, mais... Et les mecs te vendent des voiles à 100 000, quoi. What the hell? C'est la folie, quoi. Non, mais le truc, encore une fois, c'est parce qu'on n'a pas de bol. Et comme j'ai dit, on fait un fort. À 4, on le fait en une demi-heure. Et derrière, on gagne à peu près 12 000, 10, 12 000. Mmh. Et on va faire ça. Là, on va faire une petite pause. Moyen. Mais quand on revient, on fera un fort direct. Ah, c'est bon. Hein. Il y en a marre de ces conneries. Est-ce qu'il reste encore des trucs à choper là? Je pense pas, non? Je crois que j'ai le dernier coffre, mais vérifie peut-être quand même. Je prépare à vous dire au revoir. À moins que Link ait encore mis un truc derrière la barre. Non, il me semble pas. Non. Ah merde, j'ai pas repris de quête.
Vous allez me manquer. Non, moi je flotte. Et je suis même pas arrivé niveau 20 au collectionneur d'or alors que j'étais niveau 18 et j'ai pris à peine un niveau quoi. Je suis le capitaine. Incroyable. Moi je suis le capitaine pas... volant moi. C'est parce qu'on avait que des codes de merde, ça rapporte pas beaucoup d'XP du coup. C'est le talent ça GG. C'est le talent. Mais en fait je ne fais qu'un avec la planche quoi. Juste épique, touche la planche. Bon, du coup, on est bon là pour faire une petite pause. Ouais, bah, moi je vais vous dire au revoir. Ok, c'est Link. Fun. Bah, oui. Bah, merci à toi d'être venu, hein, bien. C'était sympa. Bien. Ah, bon, là, ouais, c'était cool. Et à une prochaine sur le forum. Ouais, tout à fait. Je vais quand même attendre que je coupe la capture ouais. Avant de partir. Moi, peut-être que je rejouerai à ce jeu, je sais pas encore. Je sais pas si j'ai continué à y jouer parce que. C'est quand même sympa, mais il y a un trop gros manque d'intérêt, quoi. Gros problème d'intérêt. Non, c'est pas vraiment la film, mais HDL à 4.3 MB. Donc, c'est pas une connexion de merde, mais c'est pas une connexion de fou non plus. Faut demander à GG pour une connexion de fou. Oui, donc du coup, Astérix, tu es toujours là. Tu vois avec GG sur le chat pour qu'il t'invite après. Je pense qu'on va couper la session, non, c'est le mieux. Oui, je pense. Sinon, on pourrait être rejoint par un random, donc... Voilà, ouais, c'est plus tranquille, vu qu'on a tout revendu. Ok, on fait ça. Bon, petite pause, bah, on se retrouve dans 15 minutes pour la suite. Donc toujours avec Monsieur GG, Monsieur Ziyu. Et Link nous quitte. C'est la tristesse pour Monsieur Link. Et oui. Pleurez pas trop quand même. À tout à l'heure. Tout à l'heure. On va nous quitter. À tout à l'heure. On te voit quitter en plus. Depuis la carte de...